Que le toy a dit, ma au venu, et bien sordine mia me dit, à me ma dit, no chan, ma ou toi dit, le bon miagbe. M'dakpene ma ou de bagbe, ta kwebe radolo, et bien missionneur, katan, groupe musical, toi dit katan, dakpe, messia me bagbe talo. Kembi le pomme le tepe a me nouve vene, mouni toy a dit, oua, et be kolo ou no vigne be veya. Ola won chatonye fo ka kia menu veveta ni hamele miadomi no ke ma uwa na me nyibe awa be otrido me vaya e no wonam si adome le dum nene bon adome dudua be me gbea e mase ya me a e no va wo si be podonye ma toka via be nu ya etin etin kaka e poto be jawo Fifia nyanye munyon yo va gbon be mai kondi kondi de le mi aba hoya be ngbedo mo ifun be pa question be e matin wo odom dabe e be som do ra to kwa mi le funu mi wo 3 jours e be fi abele abe e kokunu ko yo le biwa be e ku e poto nam be ku e poto c'est parce que nous ke yo po abe la so adokavia ye na nyum to le du nu nyum le nu si o o som ye to kwa to coin be no som yi bloqué voa ke mdo to coin mu le po de defiona do ku nye be ko wo do ana npoa de po som le blacardi odo e gan ku mo zo unam po o gan ba che e vinyo le fanvi o mle yo vinya de am le yue kaka mle gogom chon njo le fanvi bo o dagbe nyinya wo do na npoa mjo do awi ajo vifian le yue amovo ba che ojo lo nkona nye mjo le se ne pe gomuma
Kafi ova o dono yoku treni ni. Eh. Okay, fifi ade. Kempo eneni embe a obo ma o dona mu. Kemi jajole ebe be kwa di angpo papa be foto le mi abe muadi. Wa oma edo eyo edo le to kwa o kon la signe so dare kengbo. Fifi a em so o dona se a em so fion ma uba me abe foto aleke. Be ye jina harebe Yehowa ne don mai. Ye ma one do e ha didi wane jemegbe na ne van van be nyebe ma usia mine de to ya di do amia me ma di nu o chan ta e do ke obio na ma nu ko jawo yo la so atokavia ke ba yin ku vana ma e do wa ngba jeju chanya te pe mi le coin di obio analyse analyse mi wa na munyi be 20000 be analyse obio no bi wa wa vola mi wa ke son e ku aso fio foto a ye dogbe mada ke mi ba yi re ko je ke ya o to e ku a enu ke le funu afi ke nu atenwa enu abu abi kho te pia hallelujah amen hey voici quoi la Jésus Christ acclame Jésus Christ hallelujah amen bo ko ke bo foto la so du fie ko e du kunu la jova Mate Jochan. Donc, on s'en fout de faire. Mais, à la Missis, il est digne à voir. Nous, on qualifie Kakao, on fait un étro. Kakao, on fait un étro, on fait un étro. Oh, alléluia! Amen. Cela! Alléluia! Zayab, on tigne à tro. Cette nuit, ton histoire changera. Quelle photo d'un féticheur auquel on présentera simplement les clichés de l'échographie et arrivé à l'hôpital après les mêmes examens, le mal disparaîtra. Il n'y a aucune, si ce n'est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ seul. Et Amen. Ce soir, tout ce qu'il y a dans ta vie connaîtra un grand changement. Fifia, Odo Gamenambe, Ekoto, Saint-Jour, Nakunya, le Tokouin, Yembe Nyawa. Ne ma uba mesiamide o so dato ya di ya fonye vana to ya di meta subona le gbo nyen kan de dibe ma ko yesu kure tanivo amen kwa docteur le bionbe me kanye munyima enu kele ntinye funwa o le gbunwa nyem jole dade me ma mbe nsemu le si o ne ya docteur Jesus boy mai nya mere kema o dona mu ebe ne fe ke mi twa nyem so ebe mi la ho ma mi mu ja ho c'est parce que obio nde pepe analyse nde pepe bloc bende nde pepe ao abia e po ogbon be nke va de nu a le funu ma nu ke de nu a le funu ma o embe o nyen la jo son gbon ma la de nu an se tore la si e va le bien ve nke de nu a le funu nu ke de nu a le funu parce que moi j'ai on est mais you talk la tede eh eh nu a la wo e yo do kavia enu ke be nya ne wo po o amego te wo doka ah o abe yi wonu ai to de nu ajo e hallelujah okay. Oh hallelujah vere nu siagbe to mate ma wo wo yesu we na ma nu si mami wo mate ma wo yesu we nous si veux de ma te ma wo. Yesu ye we na ma. Yesu ye we na ma. Ela Yesu ye we na mu lo. Yesu ye we na ma. Yesu ye du jina. Yesu ye du jina. Nous si veux de ma te ma wo. Yesu ye we. Yesu ye we na Musi jilanyo mate ma wo Yesu ye we na Musi amegbeto mate ma wo Yesu ye we na Yesu ye we lo Yesu ye we na ma Amen gare Amen Enu iwu agbeto a ele gbogbo e na ma wo nde wo ye ne va to ya ja bebe kwese ezayame adinwa o magapo alors ce qui est impossible aux hommes
ce qui n'est plus faisable aux hommes sur cette terre, avec le Seigneur Jésus, cela est encore possible. Et si on t'a déclaré quelque chose avant que tu ne viennes dans ce camp, jusqu'à la fin de la prière, tu auras la solution. Amen. Fifiare, on va voir autant. On m'a dit que le douve c'est Sénam. Gassia Gamon, on l'a dit. On m'a dit que le douve c'est Sénam. On m'a dit Ken le pa me anyamu ina gazon nyen dunanu foto ma uba me nu veve me ni son mercredi passé va ya yem va do fi 23h 23h wa en ko civile le secrétaire m so classi so funkun e vos erekan tom so so pe aji fun mu chika kan ke kenu ke ko am santi be adowu 3 jours e me gbea gaze va tom mu yi gaze on la se be nu kuku nene mbo o ngwa gbea eji jonyin to ke ngbo va invite secrétaire nu ya nu ya ndu pe afun ye invite ple nu ye mdu va so ati ko sonu nu ke la ju egbo ke papa va o do egbe le fi ya ke npo papa nu ale tuju be ve fama u ba me na so da se di di o ma tien la a mi sisi le di egbe nu ya brother de va lem va le ba wu se sende enu ale tuju em le zin do kwinye fun kaka o tro ya chan do pe vovo kaka papa ju egba yin dan ropo ma ba di da se ma ko ma u be nko ti le to ya di na me de cha gba pepe won le di be so be ma u mu le la ten wo wa ma u le capable parce que ke mu yo vi nya le gbon be nya ma to tene yo pata yo va di da se anu ke juwa embo o parce que ego me be funa ke mu le ni so amo ku 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 egbe ya ame ko lo wo be fe da nyi kwito la we gbe enyi veve se se na nya dasi embe ma va de apene ma ma so e be nti kokwe amen 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 La dame remercie le Seigneur cette nuit et elle tient vivement à remercier le Seigneur pour la vie de son serviteur, celui qui est le responsable de ce camp de prière. Nuit été, la présence de l'homme de Dieu dans ce camp, peut-être elle serait déjà morte à cause de la maladie qu'elle a traînée durant un certain moment donné. Elle dit que nuit été sa venue dans ce camp de prière, elle serait enterrée comme son jeune frère qui est en train d'être enterré aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a contracté un mal de ventre chronique. Et le mal était devenu chronique au point qu'elle s'est même rendue à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, les médecins ont demandé à ce qu'elle fasse les bilans possibles. Les bilans ont été faits. Et finalement, on lui a diagnostiqué l'appendicite. Et vu cette maladie, on a essayé de lui faire des soins en vain. Quand finalement, on l'a évacuée au CHU Tocoin. Et avant qu'elle n'aille au CHU Tocoin, elle-même depuis la maison a rêvé qu'arrivée au CHU Tocoin, on l'a amenée dans le bloc opératoire. Voulant lui faire l'opération, elle a vu qu'elle était habillée en linceul, en tenue blanche. Et on lui avait aussi porté des gants. Et dans le rêve, elle appelait ses enfants qui ne faisaient que pleurer. Et elle voyait dans le rêve qu'on avait dressé une tente en bâche devant elle. Et elle se demandait, mais pourquoi elle appelle ses enfants qui ne répondent pas, mais plutôt se mettait à pleurer. Et arrivée au CHU Tocoin, ou bien lorsqu'elle a quitté l'hôpital de Bay pour le CHU Tocoin, elle avait encore les résultats de l'examen qu'on lui a demandé à l'hôpital. Chemin faisant, elle a vu la photo de l'homme de Dieu affichée quelque part. C'est là qu'elle a sorti le résultat qu'on lui a donné à l'hôpital, qu'elle a essayé de présenter à l'image de la photo de l'homme de Dieu. Et elle déclarait, si c'est le Seigneur qui l'a réellement appelée, elle voudrait bien que par son onction, cette maladie disparaisse. Et elle s'est mise également à chanter l'une des chansons de l'homme de Dieu. Par la grâce de Dieu, lorsqu'elle est arrivée au CHU Tocoin, les médecins ont demandé les mêmes examens médicaux. Et après, le résultat qui était sorti, c'est que l'appendicite qu'on lui avait diagnostiqué au départ, le mal a complètement disparu de son intestin. Les médecins s'étaient même étonnés du fait que le mal a disparu. Et il n'y avait seulement qu'une infection à la partie où se trouvait l'appendicite.
Les médecins ont commencé par mener des critiques pourquoi le mal a disparu. Mais puisque c'était programmé au départ qu'elle allait suivre l'opération chirurgicale, bien que les médecins ne diagnostiquaient plus le mal du départ, ils insistaient à ce que la dame soit coûte que coûte et opérée. Mais elle insistait, vu aussi le rêve qu'elle avait fait depuis la maison, elle a aussi insisté à ce que l'opération ne soit pas faite. Cela était devenu des palabres entre elle et les médecins. Et elle leur disait que c'est le Seigneur Jésus, celui qu'elle adore, qui l'a finalement guéri de sa maladie. Et les médecins ont commencé par lui dire que si elle ne se laisse pas opérer, elle risque de mourir 5 jours après. Elle a répondu au médecin qu'elle ne mourra pas. Dieu, celui qui a ôté l'appendicite de son intestin, elle est sûre et certaine que ce Dieu-là guérira aussi les infections de la partie. Et elle est revenue à la maison. Arrivée à la maison, elle a décidé de venir dans le camp de prière afin que l'œuvre de guérison que le Seigneur a entamée dans sa vie soit complètement achevée. Et lorsqu'elle est arrivée dans le camp de prière ici, elle déclare qu'elle n'avait même plus l'appétit, elle n'arrivait même plus à dormir. Mais après l'inscription au secrétariat, lorsqu'elle est entrée dans le temple, elle a paisiblement et profondément dormi. Et elle ne faisait plus aussi les selles avant de venir ici. Mais le 3e jour après, elle a senti des bourdonnements dans son ventre. Lorsqu'elle s'est levée, elle est allée faire la selle. Elle a déféqué des déchets puants. Et depuis ce temps-là, le mal qu'elle traînait a automatiquement disparu. Et l'appendicite et les infections ont totalement disparu. Elle qui n'avait plus l'appétit, dans le camp ici, après avoir déféqué les déchets, a commencé par manger correctement. Et cette nuit maintenant, elle est revenue afin de témoigner et remercier le Seigneur, celui qui l'a délivré de la maladie, qui allait même lui coûter la vie. Acclame Jésus. Amen. Prozat ko le serfe so yebe afisio kare motuma yevale yotoma. Alléluia. Alors les affiches de l'homme de Dieu qu'on avait collées sur les placards à Lomé, c'est cette affiche là qu'elle a vue, elle a essayé de présenter et l'examen ou bien le cliché de l'examen à la photo suivi de certaines déclarations et le Seigneur par l'onction qu'il a posée sur son serviteur l'a automatiquement guéri. Amen. Amen. Amisiyaade. Et cette onction à chaque moment, elle ne cesse d'accomplir des mystères. Si l'onction se repose sur quelqu'un, elle ne cesse d'accomplir ses œuvres. Et j'ai bonne souvenance que l'homme de Dieu a eu à diriger une campagne d'évangélisation à Bagida, à Lomé. Amen. Et il y a des mécaniciens qui ont garage, il y a des téléphones, des hommes, des gens qui ont des gens qui ont des gens. Parce que le garage a fait deux filles qui ont des papa. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen.
Oh, amen. Gardez-la. Amen. Alléluia. Amen. Garage, on y en avait man togo. Garage, on avait man togo. Elle est l'homme. Et il y en a marre de Sifima. Ne y fuma ma bio. Oh, la bolonne. Oh, amen. Amen. Ma y en a jolle gwemagwe. Amisiale. Yesu Christo qui que si amina pe dollar. Ye ou do fi anye amiabe usine ya. Amiabe usine ya. Et il ne va pas. Amisiale, y'a trop outil à toi après. Amen. 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 Gardez-la. Amen. Alors, je disais tantôt qu'il fut une année, l'homme de Dieu a eu à diriger une campagne d'évangélisation que le propriétaire d'un garage l'avait invité. Et après la campagne d'évangélisation, et l'une des voitures qu'on avait utilisées et sur laquelle la photo de l'homme de Dieu était affichée, et la voiture qui avait servi la caravane de la campagne d'évangélisation était amenée au garage. Une maman était de passage. Elle a vu de loin cette voiture dans le garage. Elle s'est dirigée là-bas. Elle a vu que l'affiche sur laquelle se trouvait la photo de l'homme de Dieu était collée sur la voiture. Elle s'est arrêtée. Et les garagistes ont commencé par l'interroger. Elle a répondu non, qu'elle n'est venue ici pour faire rien que ce soit. Mais la photo de l'homme de Dieu qui est affichée sur la voiture... Cet homme de Dieu était venu diriger une campagne d'évangélisation dans leur quartier ici. Mais malheureusement, faute de moyens financiers, elle n'a pas pu se déplacer afin de suivre cette campagne. Sinon, elle serait guérie des maux de hanche qui ont fait qu'elle est courbée et elle ne pouvait plus marcher étant redressée. La dame parlait à un moment donné, elle a mis la main sur l'affiche et elle a dit « Ah, si j'étais là, est-ce que tu n'allais pas me guérir ?» Et après avoir retiré la main de la fiche, elle l'a posée sur sa hanche et d'un seul coup, la hanche de la maman a fait un grand bruit. Et celle qui était courbée et ne pouvait plus bien marcher s'est redressée automatiquement. Et le chef garagiste m'a appelé et m'a en même temps partagé le témoignage. Et je disais tantôt que c'est un garage dénommé Man Togo. Pour ceux-là qui veulent pousser encore plus de curiosité, ils peuvent se rendre dans le dit garage pour avoir... d'ample d'informations sur le témoignage sur lequel nous sommes en train de partager. L'onction, elle se repose encore sur l'homme de Dieu. Et spécialement, toi, tu es à la base, à l'origine de l'onction. Tu ne repartiras pas sans recevoir ton miracle. Oh, bah, amen. Garde-la. Amen. Eh bien, d'adami de Koukou, Kayesu, on a eu. Pré, Zéla. Alléluia. Amen. Le autre am dak pena ma ou de miaton, ma vie d'Odi Paul Park Beta. Yem gayezim de akpena ma ou epe hadon la kata, missionnaire ouvrière au kata Park Beta. Ve moni yedi wa siamine wa ga black pane yama. Le autre ya eti gande le zom ke yem nyale ke mak blon yan to chandom. Ke yem ma ou wana ye jile jorni no. Ma ou wana gande nam. Nke ma ou wana moun. Année 2023, mais à Soukrou, je suis les classes d'examen, BPC. Je suis les Soukrou, je suis les Soukrou. Si tu as ever de temps, je suis les classes d'examen à Dja. Un mois après, je suis les classes d'examen. 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 Nous que moi on a eu le février, c'est ça. Ok, nous que moi on a mon, que même les sucres amis à toi les blancs ben, ni Garcia comme un blanc ben non à church mardi, Garcia comme un blanc ben non à church mardi, ni Msano qui est blanc à nous, allez que matin on marche ultima. Premier trimestre que moi moyenne 8 points, deuxième trimestre on va pour 7. On va blanc ben ni à toi ni vous ni ma gâte on dépo. Et c'est à nous que va dire c'était le 19 mai, vendredi de. Les nia, je sais la solution, tout le que papa doit. Comme moi, on adore le groupe musical, mais quoi, soir, mais quoi. Ah, tout. Ok. Les papas Boris, bon, soir, mais quoi, et tu as découlé à Badabé, à Halefounou. Yemi, ou est-ce que même dans nous, nous, quelqu'un, pas même zo? Yemi, quoi, m'bé, ou bé, comme m'y a ouéja, ou d'un, m'bé, ma vè koussi. Maman, de la Badabé, founou, quoi, m'bé, ma vè koussi, les bon. Et pour me faire maman a mis tout pas vous donner le moitié de fou, et que des cas pour donner à vous d'un. Y'a un coussin, maman, 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 maman
Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, notre sœur remercie le Seigneur cette nuit pour les merveilles qu'il a accomplies dans sa vie. Et elle déclare, lors de son cursus scolaire, elle brille très bien. Mais arrivée en classe de 3e, le niveau de son intelligence a largement chuté. Et lors de la composition du premier trimestre, elle s'est retrouvée avec une moyenne de 8. Lors de la composition du deuxième trimestre, elle s'est retrouvée avec une moyenne de 7. Alors, elle dit un jour, avant d'aller à l'examen, elle était allée épuiser de l'eau quelque part. Et chemin faisant, lorsqu'elle retournait à la maison, arrivée à un endroit, elle sait bien qu'il y a un puits là. Mais le puits n'était pas bien protégé. Alors, elle a constaté qu'il y avait des ténèbres, de l'obscurité qui se faisaient déjà. Elle a sorti son portable, le temps d'allumer la torche de son portable. Elle a envoyé un pied et rapidement, elle s'est retrouvée dans le puits. La bassine contenant l'eau était restée au bord du puits et son portable. La maman qui parlait avec elle à un moment donné a commencé par la chercher et ne la retrouvait plus. La maman est retournée et avant d'aller à la maison a constaté qu'elle est tombée plutôt dans le puits parce qu'elle a retrouvé au moins la bassine avec laquelle elle a puisé de l'eau et son téléphone portable. Et lorsque la maman est retournée à la maison, elle a informé son mari. Le mari aussi est venu faire le constat et s'était vérifié. Rapidement, ses parents ont été alertés. De même, le missionnaire Jésus est la solution qui est dans leur localité et d'autres missionnaires qui sont allés dans la dite localité. Rapidement, ils ont fait diligence et ont cherché et une échelle qui pouvait toutefois l'aider à sortir. Pendant qu'elle était encore dans le puits, elle dit premièrement, elle est allée en bas du puits. Mais lorsqu'elle a surnagé, elle a essayé de retrouver un peu les trous
qu'on a fait dans le puits servant d'échelle, elle a retrouvé deux trous. Elle a essayé de mettre ses pieds à l'intérieur de ces trous. Elle est là parlant en langue nouvelle. À un moment donné, elle se sentait fatiguée, voulant se relâcher afin d'aller encore en profondeur du puits. Mais elle s'est dit non, qu'elle ne va pas se laisser faire. Elle continuait toujours par parler la langue nouvelle. Quand, par la grâce de Dieu, l'échelle a été amenée et on l'a retirée de ce puits. Elle est sortie saine et sauve. Et au-delà de ce grand miracle que le Seigneur a opéré dans sa vie, elle n'a pas perdu sa vie. Elle a finalement passé l'examen du bœuf pesé. Elle qui avait obtenu une moyenne de 8 et 7 lors du premier et deuxième trimestre, lorsqu'elle est allée à l'examen, elle s'est retrouvée avec une moyenne de 13. Et cette nuit, elle est revenue dans le camp afin de témoigner et remercier notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui l'a délivré de la mort et qui lui a encore accordé le bœuf pesé. Acclame Jésus. Amen. Amen. Yele wetroyam gatibe madon sen ewamelebe. Nya ameko leva Jésus ministère Jésus la solution mais mi yeti nya no dogbira. De mo pa me apagbeta. De e ha apagbeta. Na nesko bele do le afide pepa mi yeti nya dogbira nya so aneso cha so de asimena ma wo. Be npenke amole titim futo le titim benefa e ha ma tira. Amen. 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 Alors, notre sœur voudrait exhorter les fidèles de l'Église Jésus est la solution de prier sans cesse parce que les ennemis veulent que la honte descende sur la vie des fidèles de l'Église Jésus est la solution. Mais à cause de l'onction que le Seigneur a accordée à son serviteur, et par vos intercessions, leurs complots seront voués à l'échec au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien dans lequel je suis, ami. Mao, avagande na me fiasugo ejido. Ano abe perekaya. Le chunu a woman. A year more holy de fiambe, mauva men, a baby odom to the car. Le de fiamia, a la best war, dollar quarta vola, you obey the viadunia debe yagrena de qua. Esi de viava quarta leum, agbalevidia, agbaviobentin and yibana, nyonu dele bluco, chidi chidimi bay. E modo la dunke ke nebe yade. Ta modo la gbe nebe na neva eto ato. E ye yajo la fima. Eto. Neva tato la. E yajo la fima e yade nke ke maji. Waje gbo vonto la. E nyona achimu mgue. E si nyona baba la. Modo la jovo ha sereka. E ye nyona ya baba. Le dile fia mi angbole dukunye be au mau. Venu nyebe ma nyinye yo wa hare ka ko nyole du kuya mi a ejinye gbona mbe apeno we eye enke ka wa mi amle do be ma ba pa ya me eye amede ba yom la pale jibe mi o mi da o ma be mi ayi bi ba be tutu do ta ma ja agba be mi a chole pebe eye o so enke ke sodo pebe sim ba bala nyanto nyamle do lo nyanto nyamle nyi do no alo nyam nyi do no Mele la meseme. Hade kakwa. Mbaba amesi yom la nyamu kelentiyo. Ye mdwebe ma chikwa ya me. Esi mi chikwa ya me ya. Eko nonke kame tona siyan ziga. E mi hode de fiyan le. Tepesi ya be. E mi amao dola ova. E ole yo dono dono o. E ole zwa mkuku o. Deme ole bagbena mkuku o. E hade kakwa o zova gwenye la. Otro nye be. Siansi gan hafi wa yodona nya emo o nyanto are dona emi nya hafi mba pa ya mia hade ka ko mfo a mje ehun dede eye mba ja tikene ma di doku a nyanto mwa le kupe akom dele hun
Eye, Eva Wamba Abe. Elle est debout. Eh, Eva Wamba Abe, si obé, nous voulons aller à Mekbotobé, donc vous venez. Eye, Eme, en va prendre la petite cabé sans flanton, et Milan Asi. Eye, Michipayame. Eye, Eva Wamba, Kikiadia, Moba Mele, Dowom, Yeba, Globenagno de la Fisiala. Après, non, ma, moi, y aller, doyo, do anibe, ben mlani. Alors ben nani ko wa hu la e jo holo don wa hen da nyem rabe amere le ya kupo o manye dono bo ela mura ji kan ke ko obe ngbale o be e kulo e ma e ye ha de ka kom ho ka tutu le ka tu ho ho me ngbe ko a e mi pa si ansa e vi nyo dom ton sisi tole e ye e ba chi lo mele do klam ke mwa da ho me sere ka ko a Abe kwesira gbele ndi kwa de baba yonbe mama ngbona be aji hun china be magboba dagbe abe ele dolem edo kelenelo ko muwaso hun china de baba gbo doko be ba donbe na mi wale po to yaji be muziko eye de baba le gbona be ejilebe la maji atikene wa eno mwombe malo dujide de viaje bem ma koneu ye ha de kakwa muzika ba popome kwa de via baje a pa dodobe majidon muzika popoi oh kaka ma kwambe eye angba nya petola kwe amebubue eye mi be mi tro do volume na muzika haleluya amen Aye had a kakwa de via tonya bogula be tome be ebe nyala tome be ame ebe nyi tome ye ile tome ata oko nya da sine hoho o so da si dai tome ebe no o ne gbe agbonye do me aha si me milela aha me to o ba jida aye enyi sebla ye oto ra fi le subo la amoko ko le fima wo we wo de ka wo wo de ka o so ifima o so so ya fima eye de bia de nya gogo me nya de ko a e ga de sibuna mba yi la e ga nya ke lo gbo a munyi 10 million me nya yo lo wo gbo o wo na ma be na mo e ga le nya buna na ko a susu nya ya chaka eye ma wo nu ka ma je alaba wa mutan jejio esi vanye kwati abla e fude le be de via ba fo e be munyi fuyo ke enya akponu sie e ha ko sebla e to de kaje bideji ye de kaje bi akwa akpona ko de akpona nyi e dama e so do podo be de e so do podo mne do e de fema de via ho azie ma donc o isasa azele si donc enu si o kata be jo afu ka be fo Any question, what could done your bay? What the bay? Prola, baby, you're for fool. Eh, for fool. Yet if you are high, me, I never have you to kill Ebony. Miava que, a mamma, ye, in your carpet, a mileha. I have a careta. Never knew who saw a deploy on the very sort of sinker. Don't care, a woman near. A mamma near, if I am a sosan, if I am a sosan sinker. Mother, no collegia, yen your mon, your brother. Nyenyi o chite den tinye aye amoso kada ele prata nyano yesu hafi ogodo ode komite me donc nyebe no lo obembe ales mio mi va du ya mia o globa nya na otro jibe va vio ga gbogbo pa ke gbogbo bara lo ba si fi bo o ba chorechi oh hallelujah amen es mio mi va du amila mi gbe du ano o ales aye de via ton ebe mi blood edo anoye o mi o mi blood na yi o na be na o chitele ntinye yo o dodo si apata be de bia bo fofo mi la ke mo nya gbogbo no budom wa ga ke o mu ponde pele mi no bia ke ti o do sire kala no bia yi sukula ele bebe si a de bia yi suku mu gbo e ya chupe ebe e fofu kula la be vie to en ma kata nyi be wa dom toko toko be mo nya sim gbo na kla je papala wa kola sinye be mo nya gbogbo ma ga na sinye ke o
Hallelujah. Mama. Ali hade koko de be de nya kata toa. Eye mi kwa si jibe. Ape to apebe wo odo alu. Mo be no kwari ja mi ngba kule va fi o. Ala mle e do mi bele. Ye devia ka tro itoma. Devia ho to. No no me ami devia ho ka tutu. Aha le ma pa ba be. Bi o fufu mi a. Emma. Ke bele da pa ni a. Emma. Do gba ma utuke. E tuke. Amen. Ye mi ami do je si ma ma utuke. Egbe a ngba le gbogbo ba si mi o. Egbe to su gbe fa de la kule evangelist wo. Amen. Hallelujah. Aye. E to e ji no no mi a. Nke kere ka mama wala wodo. Ye mama le gbobe e ko be o tre yesu a lo via me vena amede amele mi adome enyel pia mbe enyela blan ko abele simle pot enia pot clear me veda alone eye egbe ale gbo na mbe na mo anya yeyeya ye mi ko da sim na o aso egbe ji na o ya yi mo anya kakagbela ko ma ga ko zeto o ma ga zo afoji o ke on to be moji Enano, ena yi monya kakagbe. Aye, mi ho amen. Ken va do ape am ta manga me amanga pe amia. Mi aple mo. Ya peto yen be o efesu odudalia. Aye, ko pe o to le lewa. Omle bo beta no. E mo be nya wale gulia. Mbe e monya gbo na mbe. Mi anno moji. Na ma gba yi monya kakagbe la. Jet to de ke ma koko mo. E ya te pea. E nya te pea. Mi wada kaka mi una mi ple emo wa ju gande hallelujah hallelujah ebe yesu obo tre yesu la lo mede o tre yesu la lo mede mi ple ko yesu e ba se la lo mede la lo mede eye Hey, I'm in Gokwa. My grave monya gogro at Trodom. I listen yon to me doko. Nabi Blanhle. Mount monya my tongue killa. Hey, Joby be the day. Hallelujah. One talk when I bear the bell van be a petro adel and yoni amen. 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 Oh, you know. Oh, hallelujah. Amen. Brazil. Hallelujah. Je connais bien la localité où elle réside. Les habitants de là sont vraiment spirituellement durs. La sorcellerie, on en parle là-bas. Ils ont eu un diacre qui est tellement animé de l'esprit de la sorcellerie qui a consommé la chair humaine des gens et finalement les gens sont venus prier dans le camp ici, le Seigneur l'a frappé avant de mourir, il a fait toute la confession et il est mort. Et le diacre dont nous parlons est éleveur de porc. Et il est en mesure de transformer les vies humaines en porc, trompant la vigilance des gens qu'il est en train d'élever les porcs. Oh, alléluia. Amen. Mais à travers ce camp de prière, le Seigneur l'a combattu à mort. La maman remercie le Seigneur cette nuit. Elle dit depuis la maison, elle a fait un rêve. Un rêve dans lequel elle a vu que l'homme de Dieu un jour avait fini son ministère. Et lorsqu'il est allé s'asseoir, un ouvrier était venu avec un registre à la main. Et l'ouvrier a appelé le nom de quelqu'un. Et on a dit que la personne n'était pas encore arrivée. Mais les anges de Dieu étaient venus afin de s'occuper du cas de cette dame. Et mais puisque la dame n'était pas encore arrivée, elle est encore en retard, l'ange de Dieu ou bien la personne est repartie. Et lorsqu'elle s'est réveillée dans le rêve, elle se disait que ça ne soit pas elle. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle doit venir dans le camp ici. Mais elle a dit qu'elle doit reporter sa venue
quand elle avait un rendez-vous avec quelqu'un qui devrait l'amener dans un centre de formation biblique. Et la personne l'a appelé et lui a donné rendez-vous sur ce site du camp de prière. Et rapidement, elle est venue dans le camp ici. Et arrivée dans le camp de prière, elle dit elle s'est couchée. Et la nuit, elle voyait que les anges de Dieu étaient venus et faisaient des soins aux gens. Et arrivée auprès d'elle, les anges ont dit non, qu'on doit reporter toi tes soins sur la séance prochaine. Et elle leur demandait à savoir si elle était malade avant de venir dans le camp ici. C'est là que les anges sont repartis. Le lendemain matin, elle a commencé par faire la selle sanguinolente, la serre suivie de sang. Elle ne comprenait pas la situation. Elle a commencé également par tousser de façon chronique dans le camp ici. Mais le Seigneur lui a fait grâce par la prière. Tout ceci s'est arrêté. Elle dit qu'après la prière, elle est retournée à la maison. Et arrivée à la maison, son enfant l'a appelée. Son enfant qui était en apprentissage l'a appelé et l'informait que c'est comme ça, il est malade. Il a demandé à son enfant de revenir. L'enfant est revenu et lui a dit qu'il avait les douleurs de cœur. Et elle n'avait pas pris cela au sérieux. Elle était en train de jouer les chansons de ce camp de prière. Et arrivé à un moment donné, son enfant a demandé à ce que la maman éteigne la musique. La maman n'a pas compris le sens du fait que son enfant a insisté à ce qu'elle éteigne la musique. Au lieu d'éteindre la musique, la maman a essayé d'augmenter encore le volume. Et son enfant, pendant qu'il suivait la musique de ce camp de prière qu'il jouait, a commencé par crier. Et dans ses cris, son enfant disait qu'il possède l'esprit de sorcellerie. Et tout ce qu'ils ont eu à planifier contre la maman, son enfant a fait toute cette confession que c'est certains membres de leurs églises qui ont formé une coalition avec lui et l'ont amené même dans une rivière quelque part afin qu'elle soit tuée. Et dans la confession, l'enfant disait que ce sont les sorciers de leur église qui l'ont poussé à la fornication au point qu'elle ne tombe enceinte. Et la maman confirme que sa fille est tombée enceinte et une deuxième aussi est également tombée enceinte. Et les sorciers, dans leur confession, disaient qu'ils ont fait tout ceci afin de salir le nom du Dieu que la maman invoque. Et nous rappelons que la maman dit, l'église dans laquelle elle est servante, c'était une église de 5 effectifs. Mais à leur venue, l'effectif est monté à plus de 60 personnes. Au regard de tout cela, les sorciers se sont levés voulant l'attaquer, voulant lui arracher l'évangile. Le zèle qui l'animait, les sorciers ont voulu éliminer ce zèle et d'elle. Et ils ont poussé ces enfants vers la fornication afin qu'on commence par raconter dans la localité, voici les filles d'une servante de Dieu qui sont tombées enceintes dans le péché. Mais malgré tout ceci, le Seigneur a été avec elle et l'a solidement relevée. Elle dit entre-temps, elle était encore revenue dans le camp de prière ici. Lorsqu'elle est arrivée, c'est l'épouse de l'homme de Dieu qui dirigeait la prière. À un moment donné, l'épouse de l'homme de Dieu déclarait qu'elle voyait l'image des mains de Jésus dans la paume de main de quelqu'un. La maman dit au même moment, elle avait vu dans la paume de ses mains deux porte-clés de ce camp de prière. Et au même moment donné, elle recevait cette parole qui s'adressait à elle comme quoi, « Madame, après ton départ de ce camp de prière, je vais transformer l'allure de ton ministère. Tu ne vas plus prendre Zim pour aller prêcher sur un terrain quelconque quelque part, mais tu vas rouler ta propre moto. » Elle a reçu cette parole de connaissance avec foi. Arrivée à la maison, elle a partagé la nouvelle avec son mari. Son mari, au lieu de croire, a commencé par incriminer, accuser sa femme. « Toi qui s'est endetté grandement et tu n'as pas encore payé tes dettes, les agents des microfinances sont à ta recherche voulant te saisir pour te jeter dans la prison. Tu ne te soucies pas de tes dettes et tu es venu maintenant avec une nouvelle d'achat d'un nouvel engin, tant mieux pour toi. » Et la maman dit non, qu'elle croit en le Dieu qui lui a parlé. Et après les activités champêtres de la dite année, et l'année qui a suivi, le Seigneur les a abondamment bénis. Et la promesse de la moto que le Seigneur lui a faite dans le camp de prière ici, cette promesse a porté cher au point qu'elle s'est achetée vraiment une nouvelle moto de marque Haojue. Et dorénavant, avant d'aller prêcher sur un quelconque terrain quelque part,
elle va avec cette moto, elle ne prend plus Zim. Elle dit que son ministère a spirituellement changé. Il y a un nouveau feu, une nouvelle, ou bien un nouvel zèle qui l'anime maintenant. Et lorsqu'elle arrive sur un terrain, c'est rien que du feu qui sort, c'est rien que des prodiges, c'est rien que des mystères. Et aujourd'hui, elle est revenue afin de témoigner et remercier Jésus. Les gens de sa localité ont même témoigné que vraiment, son Dieu est le grand et Dieu le plus vaillant, le Dieu excellent. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, en passant par ce centre de prière. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Et je rappelle que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et en 2021, la dame était venue ici. C'est elle qui m'a montré le centre de prière de Kobe ici. Elle est venue, après les séances de prière, elle est revenue m'étendre... Le porte-clé, porte-clé de ce camp, de la maison. Elle me dit, elle me donne la clé, le porte-clé de ma maison en début d'année 2021. Et vraiment, pour finir l'année 2021, effectivement, Dieu m'a béni, j'ai pu obtenir cette maison. Amen. Et en 2023, bon, moi je ne venais pas ici tellement. Et en 2023, j'étais venu en début d'année, moi aussi, pour connaître le centre. Et je suis venu. Et elle est venue avant moi. Et quand elle est venue avec porte-clé encore pour me dire que c'est le porte-clé de la voiture qu'on doit acheter. J'ai dit, ah, que Dieu bénisse ta parole. Et là, nous avons commencé, le porte-clé, j'ai pu accrocher ça en haut du lit. Et c'est resté là-bas, s'il vous plaît, c'est en 2022 plutôt. Jusqu'à l'année est finie, on n'a pas obtenu gain de cause. En 2023, c'était plus chaud même. C'est en ce moment, c'est devenu compliqué même pour survivre même dans cette maison. Et au cours d'une séance de prière, de réveil dans notre église, il y a une révélation ou une prophétie qui était sortie disant que le quartier dans lequel nous sommes, tous ceux qui sont dans cette quartier, c'est-à-dire les autochtones de la localité se sont levés, qu'aucun étranger ne peut prospérer dans ce milieu. Et j'ai dit, ah bon? Si c'est comme ça, d'accord, on verra entre Dieu et Satan, c'est qui le gagnant. Et là, nous avons démarré. 2023, vers la fin de l'année de 2023, à partir de novembre, j'ai été attaqué moi-même. Et subitement, j'ai perdu mon œil gauche par un tissu blanc qui est venu couvrir mon œil gauche. Et évidemment, je ne vois plus avec l'œil là. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur, après le diagnostic, me dit que vraiment, ça va prendre le temps avant que je ne retrouve la guérison. J'ai dit, ah bon? Donc, moi, je travaille à un point stratégique. Et à partir de ce moment où je suis tombé malade comme ça, comment je peux travailler encore à ce lieu-là? J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Malgré les soins? Oui, les soins. Ça n'a pas marché. Les soins n'ont pas marché, mais il disait que ça va prendre le temps avant que ça ne se règle. Et qu'est-ce qui s'est passé et après là, cela? Et là, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai fait tout un mois à la maison, ça n'a pas marché. En décembre, maintenant, j'ai dit, OK, je dois aller à Kobe pour voir, pour prier Dieu, pour rester dans la face de Dieu, voir qu'est-ce que Dieu va faire pour moi. Et là, je suis arrivé ici un vendredi, et c'était la maman qui était là, et maman Lumumbi qui était là, qui a dirigé la séance le jour-là. Je suis venu avec les produits, et je mettais toujours dans les yeux. Mais le jour qu'elle a commencé, j'ai dit, OK, moi, je ne veux plus utiliser les produits-là. Je vais laisser ça. Et je sais que d'ici, en partant, je vais obtenir ma guérison avant de partir. Amen. Et après la séance ici, je devais repartir.
j'ai reçu une voix qui me dit de partir avec le sable et l'eau de ce camp de prière. Maintenant, arrivé à la maison, la même voix me dit d'utiliser l'eau là pour laver mon visage après 22 heures, trois fois, trois jours. Je vais voir qu'est-ce que Dieu va faire pour moi. Effectivement, j'ai fait ce que la voix là a dit, j'ai pris l'eau là. Après les prières de 22 heures, je prends l'eau là pour me débarbouiller et je mets l'eau là dans mon œil. Je vous jure que depuis janvier jusqu'à ce moment, je n'ai plus utilisé le produit. J'ai retrouvé ma vie. Amen, 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 amen. Voici que nous sommes. Alléluia. Amen. Après cela, j'ai dit, ok, ce que j'étais venu, comment j'étais venu prier ici, j'ai fait quatre requêtes à Dieu. J'ai dit, je veux que Dieu m'accomplisse ces requêtes-là en cours de cette année 2024. Sans quoi, là, lui et moi, là, c'est, on ne pas se lâcher. Et effectivement, après la même voix, après quand j'ai fini d'utiliser le lot là, comme ça, j'ai retrouvé ma guérison, la même voix me dit de prendre le porte-clés qui était accroché en haut du lit, mettre dans le sable que j'ai puisé ici pour retourner à Lomé. Effectivement, j'ai pris le porte-clés, j'ai mis dans le sable, j'ai déposé à un endroit, la dame ne sait pas. Je vous jure que en mars que nous sommes, Dieu a fait grâce et j'ai obtenu cette voiture que j'ai gagnée par la grâce. Amen. Voici que nous sommes là. Alléluia. Donc d'où j'ai décidé que je n'attendrai pas la fin de l'année pour venir témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Déjà, j'ai déjà obtenu ce que j'ai demandé. Il faut que je vienne pour témoigner ma reconnaissance à Dieu et que chacun croit que lorsque tu mets pied dans ce temps de prière, ne dis pas que tu es venu pour regarder les gens. Il faut savoir ce que tu es venu chercher et reste dans ta ligne. Dieu fera quelque chose pour toi. Amen. Amen. Voici que garder dans Jésus là. Alléluia. Maula auto tsana olo. Kake e mo yiji mauto weto a, manye jibele yato la auto. Monu gede ole si, oyano dogbera vokwa nu kunwa e la lili o la vome. Et le frère remercie et medekoko fofo ale dakpe na mau le zayame. Elle a bena mau du jine. Eh ben le fe akpe ve. Et von de keli amea. Ye isronva et toi dit la fille. Ya imba fille ekpo. Ay me isronva que wo tropo va fe la eple et toi dit be porte clé chova nai. Il est tona ibe, il est cho ibe porte clé inti ya cho ibe ape be sa fli ya cho do. Ye ibe nyawa. Eh ben et cho porte clé a cho dari. Ma ou veye nou le fe amea. Oh, après, il ben ya o bloa. Ye tsui fa fa de. Et ye tofona e mala. Ebe e pe iba kule doa. E yinto yi wado dobe yava toa di. Boa, jok be vwento na ea. Be, nde, vachon, miyabe nkuvi di na ekwa. Ye mga va lekwa nunye do. Nkuvi ya, eva wobe, ele da chiken kem. Ye yi kondi. E yi me doki ta o do ikwa. Ona yi nyabe, yola sati ke one, ne yi ano jade nkuvi ya di voa. Ella wo eyi gede hafie nkuvia la ba hunai eye ile wa dodobe ya ba to ji voye me pova ye gbere ka yo yi choti ale yi nu ba le se una yo adun la po me go ha e trosun dona yo wa gbere ka ke yo yi choti po a nyagbondi ba le to eye le nyagbondi ame a ile sebe e ko yi me yo le a e ko ame to du me via ola o titre be ame jore pe matem yi nko ma nyone le yo gbo le ko ame Ayi ma ye seigneur le nyagondi amea ibe fifia you are acte kame ple yesu da ple satana you are po amei anye ejidu la ayi menu o gale sem de ji gba ple nkuvia benya iva wododo eye iva etoa di la fi ayi ma iva anye miano ye le plo gbedodora ye yi chokose chokple do le gbedodora me ya gbonbe ayi me ke ino gbedodora me kaka mi pa ye chonya gedo cho de mkumena maun ye rafi ya jola ebe ise egbe apomna ebe ineku etoa di be kokle etia le ya choi ape ayi me do ape ya egbe ya ga pomna ebe ne posan gaola ine chotia a cho fun kume a jede nkuvi aji ya ponu to mauba men bebe mea yiwe nkeke ton vo megbe kwa nkuvi ya evu ye le ponu nyue Aye, mais maou, vous connaissez, il est quoi nous voir? Et porte-clé, aye, que, ils sont appelés, tchonnaï, be, aye, vous be sa flia, bon, quoi, pour naï, be,
il est chopot clé à chot de et quoi il coule pas à mettre à peu mais il est chopot clé chot de et quoi mais et il gawe n'en est pas pépé et il chop et quoi chop la de à fide gake il sera mignon tout bédo de la mer ma ouve yonoube le tiame quoi et vous mes potes clé et il que il sera plévanaya et voix et souyo aussi et il trouve à toi dit les aïe à mes bé yavari d'assez à da à peine à maou ben au va toi dit là. Wo de ka ple mauba mea wo de ka ple ameyo anogbedo dora kolom ne kwesela mi igbe ne toa ava mena o ko kwasi kwe gande na Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Mau de yirao. Que Dieu te bénisse. Il y a trop de vivianti, aïdi, et bien, à ce maouna, à Tokbera, et maou, à Gatouna, que tu ramènes à Duchinami. Nous allons aborder le moment le plus important, écouter la parole de Dieu et prier. Et après cela, le Seigneur nous accordera encore la victoire. Et à présent, Dieu va encore utiliser son serviteur, celui qu'il a oint et placé dans ce camp. Je veux bien nommer serviteur Nomovi Dodi Paul. Paul, quand il va se lever, restez assis en acclamant Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mère Kokomia Dogbeda, prions s'il vous plaît. Papa Mieda Akbena. Père, nous te remercions. Akbena Odewo Amenuvevelata. Merci pour ta grâce. Akbena Odewo Lolota. Merci pour ton amour. Tu nous as couverts de ta main. En ton nom, nous sommes vivants. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu nous as réveillés depuis la matinée. Tu as été avec nous jusqu'en ce moment. Et tu as fait du bien à ton peuple. Ils ont rendu témoignage. Nous allons écouter encore ta parole et prier. Et tu voudrais encore accomplir des miracles à plusieurs personnes. Après la parole, que des miracles s'accomplissent. Et que de grands témoignages viennent. Et ceux qui sont connectés et qui nous suivent à travers le monde entier, comme ici présent dans le camp, que des signes et miracles s'accomplissent dans leur vie. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait au-delà de nos demandes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une fois encore, nous disons bienvenue à toute personne présente ici dans le camp ce soir. De même, pour tous ceux qui sont connectés et nous suivent à travers le monde entier, recevez nos salutations fraternelles. Alors c'est une joie pour nous de vous voir ensemble ici ce soir et écouter la parole de Dieu et prier ensemble. Et souvent je le dis que ce lieu est un camp de prière. Et que fait-on au camp de prière? Au camp de prière, on prie. Lorsque tu es fatigué de la vie, lorsque tu as envie de mourir, lorsqu'on te diagnostique une maladie dangereuse, tu t'es endetté,
Tu traînes la mévente, le chômage, foyer au bain. Tu traînes l'instabilité conjugale. Tu n'as toujours pas d'enfant dans le foyer. Tu as étudié, mais tu chômes malgré tes diplômes. Les démons se liguent contre ta vie. Lorsque dans toutes ces situations, tu viens te réfugier auprès de l'Éternel ici dans ce camp, je te rassure qu'à travers la prière, tu auras la victoire. Il a vaincu pour les gens, ils ont rendu témoignage. Il te donnera aussi victoire. Selon le témoignage du dernier frère que nous avons reçu, il disait dans son témoignage que lorsqu'il est venu dans le camp, l'eau de la fontaine qui est ici dans le camp, lui aussi, il a puisé de cette eau. Et il est reparti à la maison avec. Il dit clairement qu'il a entendu une voix audible. De faire trois gouttes de cette eau sur ses yeux pendant qu'il était en train de perdre la vue. Il a entendu une voix qui lui a parlé. Il dit qu'il a entendu une voix. Lorsque la personne dit qu'elle a entendu une voix qui lui recommande telle et telle chose, c'est carrément à part. Que toi-même tu te lèves et que tu appliques quelque chose sans que tu n'aies entendu une voix te parler. Et quelqu'un, lui, lorsqu'il vient d'entendre le témoignage, il a commencé par développer cette idée-là qu'après la prière, il ira aussi au niveau de la fontaine pour puiser de l'eau et jaillir de cette eau sur ses yeux afin d'avoir la guérison. Puisque tu n'as pas entendu une voix qui t'a recommandé de le faire, tu iras le faire sans avoir la solution. Alors Dieu dispose à plusieurs moyens pour ses guérisons. Le moyen qu'il a utilisé pour guérir ce frère, c'est ça que nous venons d'entendre. Pour toi et moi, à travers la prédication et la prière, Dieu va aussi te guérir. Est-ce un fardeau de dette, un fardeau d'infécondité, un fardeau de pauvreté, un fardeau de misère, un fardeau de récession? Peu importe le fardeau que tu traînes avant de venir ici, ce soir jusqu'à la fin de la prière, ton témoignage sera plus grand que celui des autres. Lorsque tu médites un peu au sujet des jours que nous traversons, et lorsque vous observez un peu les choses de nos jours, vous allez constater que le monde évolue dans la cruauté, dans la criminalité, en des mauvaises choses. Et l'argent, nos biens matériels, nos belles femmes que nous avons ne peuvent en aucun cas nous venir au secours. Aussi,
nyonu nyele ngutu nyele vo o matenan dodona nu simetonelo ameka atenan dodone la ayanye Yehowa mao. Il y a plusieurs personnes ici présentes qui ont de l'argent, qui ont des biens matériels, qui ont de belles femmes. Mais les difficultés qu'ils traversent, toutes ces choses ne peuvent en aucun cas résoudre ces problèmes. La seule personne capable de leur donner la solution, c'est l'Éternel Dieu. Humblement, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons les fiao velia. Et Aden Pipi Blave von André Fiao Evelia. Et Aden Pipi Blave von André. Et donc, Bena, Esi Yehoa, Mele Homnao Ola, Afikania Mato Ahonao, Lugbofelo, Allo, Mouin Fiafea. Amen. Amen. Nous lisons dans Deux Rois le chapitre 6, le verset 27. Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Alléluia. Amen. Amen. Quelque chose a lieu jadis. Ce qui a lieu, c'est que le peuple de Dieu qui est Israël a commis un péché et brusquement la famine était arrivée. La famine s'est amplifiée. Au point où il y avait deux femmes qui étaient des amies dans la localité et à cause de la famine, l'une d'entre elles avait donc eu une idée. Alors comprends clairement que le peuple de Dieu que Dieu lui-même a aimé a été frappé par la famine. On nous dit la famine frappa donc Samarie. Cela ne voudrait pas dire que le chrétien ne va plus encore traverser des difficultés. Que ce soit sur le plan financier, le foyer melo, ou encore dans le foyer conjugal, le edo melo, ou encore dans ton service, menyebe Christoto, allo mauvi magato numero. Cela ne voudrait pas dire que le chrétien ou un enfant de Dieu ne va plus traverser des difficultés. Lorsque tu traverses des difficultés, amesi ahona ola ayenye Yehowa. C'est lui. Je dis dans tes difficultés, la seule personne qui peut te sauver, son nom est l'Éternel. Alléluia. Amen. De quoi ben nous vont tailler? C'est à cause du péché du peuple que ce dernier était tombé dans la souffrance. Et je le dis souvent, trois causes sont à l'origine de nos difficultés. La première, c'est le péché. La deuxième, c'est la malédiction. Et la troisième, c'est les démons. Et il n'y a point de solution à ces trois causes si ce n'est l'Éternel Dieu seul. Alors lorsque tu traverses des difficultés, va chercher l'origine ou la cause de cette difficulté parmi les trois causes. Est-ce la malédiction? Est-ce à cause de la malédiction que je traverse de telles difficultés? Est-ce à cause d'un péché? Quels sont ces péchés-là que j'ai commis? Mais non. Est-ce les démons? Et tu verras le plus tôt possible la cause de ton problème. Cela te permettrait de ne pas chercher la chose
à droite pendant qu'elle est derrière toi. Quiconque traverse une difficulté, que ce soit spirituellement ou encore physiquement, je vous rassure qu'il y a quelqu'un qui donnera la solution cette nuit même. Ce qui a lieu à l'époque, il y avait deux femmes samaritaines qui étaient des amies entre elles. Alors, vu la complication de la famine, l'une d'entre les deux avait donc émise cette idée. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons tuer tour à tour nos enfants. Je vais donner mon enfant et on va le tuer et on va manger afin de pouvoir survivre en cette période de famine. Misera, écoutez. Et elles ne sont pas des sorcières. Mais à cause de la famine, elles ont décidé de tuer leurs enfants. La Bible n'a pas parlé des papas ou des pères de ses enfants, mais la Bible nous parle des mamans de ses enfants. Et en vérité, un premier enfant a été pris. Et oh oui, ils l'ont effectivement tué. Et elles l'ont charcuté. Et elles ont pris cette viande qu'elles étaient en train de manger afin de pouvoir survivre. Est-ce qu'il n'y avait point de nourriture en Israël? Au point où ces deux femmes ont commencé par manger la viande de l'homme. Dieu étant au ciel avait toujours gardé silence. Elle avait du quoi le tonu me voir. Amérique me le yo ma ou le gapopon me be Yehova ne hona yo. Parce que malgré les difficultés du peuple, personne n'invoquait Dieu, appelant Dieu au secours en ces moments-là. Ne le tonu me. Lorsque tu traverses une situation et tu es un chrétien et que tu gardes silence et tu ne pries pas, la situation va se compliquer davantage. Mais si tu te lèves et tu dis Éternel, si c'est à cause de mes péchés, pardonne-les-moi. Il pardonne les péchés. Si c'est les démons qui se lèvent contre moi, Éternel, lève-toi et donne-moi la victoire. Et effectivement, Dieu se lève et donne toujours la victoire. Ils ont préparé un premier enfant qu'ils ont mangé. Et il faut maintenant qu'on tue l'enfant de la seconde. Celle dont son enfant sera tué. Lorsqu'on est allé l'annoncer que voilà, la viande est finie, nous allons maintenant tuer ton enfant, elle autre, elle a refusé. Elle a mangé pour sa seconde, mais elle a refusé à ce qu'on mange son enfant. La première chose c'est que je dis, cette camarade qui s'est comportée ainsi à l'endroit de son ami n'est pas un vrai ami, n'est pas un ami sincère ou une amie sincère. Premièrement, lorsque sa seconde est venue lui dire nous allons faire telle et telle chose, elle allait carrément refuser. Mais elle a accepté. Elle a accepté. Elle a accepté dans un premier temps au point où on a tué l'enfant de la première. La viande de cet enfant a été mangée. Même ses enfants ont aussi mangé de cette viande. Mais lorsque son tour est arrivé pour qu'elle donne aussi son enfant, pour que l'enfant soit tué, elle a dit, niet, elle ne le fera pas. Et lorsqu'elle a refusé,
Cela avait suscité donc la colère de sa camarade. Et directement, elle est allée vers le roi d'Israël avec l'affaire. Lorsqu'elle était arrivée, le roi de la Samarie était sur son étage. Et elle cria au roi. Au roi, viens à mon secours. Au roi de dire, que se passe-t-il? Normalement, le roi allait descendre de son étage pour écouter la femme. Mais écoutez ce que le roi a donné comme réponse. Le roi connaît vraiment l'importance de Dieu. Le verset 27 que nous venons de lire. Le roi dit, avec ce qui se passe actuellement en Samarie, si l'Éternel ne te vient pas au secours, en quoi est-ce que moi, le roi, je peux te venir au secours? Est-ce en matière du manger ou en matière de breuvage? Seul l'Éternel peut te sauver. Nous traversons un moment à travers le monde entier. Et une seule personne est capable de nous sauver. En ce que je traverse. En ce que tu traverses. En ce que nous traversons, c'est une seule personne qui peut nous sauver. Et cette nuit, l'Éternel sauvera quelqu'un. La façon dont tu as reçu cette parole prophétique, qu'elle s'accomplisse ainsi dans ta vie. Dans ton service maintenant même. Ce que tu traverses. L'entreprise. Dans ton entreprise. Et dans tes situations financières. Le foyer au fifi. Dans ton foyer conjugal. La situation d'infécondité que tu traînes. Dans le yopon au fifi. La maladie qui t'a été diagnostiquée. La réunion formée par les sorciers contre toi dans votre localité. Si l'Éternel ne te vient pas au secours, plus personne ne pourra te sauver. Le roi dit, moi je ne peux pas te sauver. Mais il y a une seule personne qui peut te sauver. Et si l'Éternel ne nous sauve pas, qui nous sauvera donc? Ça prouve que le roi reconnaît qu'il n'y a plus personne qui peut nous sauver si ce n'est l'Éternel. Dis à ton prochain à côté de toi, ce soir, l'Éternel te sauvera. Dis à celui qui est à côté de toi, ce soir, l'Éternel te sauvera. L'Éternel sauvera quelqu'un ce soir. Même si le monde ferme toutes les portes contre toi. Et ils pensent avoir fini avec toi. Et ils sont en train de rire dans leur coin. Qu'ils réussissent, nous allons voir. Il y a quelqu'un de plus fort qu'eux. Et son nom est l'Éternel. Il ouvrira les portes cette nuit. Lorsqu'on introduit en toi une maladie, et eux-mêmes espèrent que très bientôt tu vas mourir, ils disent que bientôt ils vont t'enterrer. Plus tard, ils chercheront ton cercueil et ne le verront plus. Ils chercheront ton tombeau et ne le verront plus jamais. Tu vivras et tu verras tes petits-fils et tes arrière-fils.
Si tu reçois ces paroles, qu'elles s'accomplissent ainsi dans ta vie. Amen. Que les élus disent Amen. Alléluia. Amen. Non, ne joie. Et quelque chose a lieu. N'y a joie. Vous savez ce qui s'est passé? Le roi a finalement dit. Femme, qu'as-tu comme problème? À la femme de tout dire. Roi, à cause de la famine, nous n'avons plus rien chez nous à manger. Au point où cette femme et moi avions collaboré. Pour tuer tour à tour nos enfants pour au moins manger leur viande. Nous avons tué mon enfant et maintenant c'est son tour qui est arrivé. La voilà qui refuse. Et c'est là le roi a crié. Que se passe-t-il en réalité en Israël? Au point où les gens ont commencé par tuer leurs enfants. Nos vieux bien-aimés, les choses ont lieu à l'époque. Si. Bien-aimé, jadis les gens ont traversé des difficultés. Si on parle d'utiliser des esprits mauvais pour tuer spirituellement les gens, ça c'est carrément un autre cas. La famine a fait qu'une femme, imaginez un peu la chose, qui prend son enfant et le fait coucher au sol, prend le couteau sur l'enfant et cherche à l'égorger. L'enfant serait là en train de dire, « Oh maman, aie pitié, maman, ne me tue pas. » Mais la maman a pris le couteau, elle a égorgé l'enfant et elle a charcuté la chair de l'enfant. Elle a préparé afin de pouvoir manger. Bien-aimé, imaginez ce qui a lieu en Samarie à l'époque. Le peuple de Dieu a vraiment traversé pas mal de difficultés. La seule personne qu'ils ont oublié, la raison pour laquelle la situation s'empire, c'est l'Éternel. Et je continue toujours pas te le rappeler que lorsque tu traverses les difficultés, les vicissitudes de la vie, n'oublie pas quelque chose. La seule personne qui puisse t'apporter la solution, n'oublie pas cette personne. Son nom, c'est l'Éternel. Et partout où tu es dans ce monde, peu importe la position que Dieu t'a donnée, que tu sois riche, ou peut-être Dieu t'a placé à un poste stratégique du pays. Tu es hautement positionné. Ou carrément c'est à toi que Dieu a confié ton pays. Et c'est toi qui diriges le pays quelque part dans le monde entier. Ou tu es un soldat, un officier militaire. Que fais-tu à travers le monde entier comme travail? Et actuellement tu traverses des difficultés qui ne font qu'évoluer de mal en pire. Lève-toi. Et un homme est prêt. Il est prêt pour nous venir au secours. Alors si tu crois en cet homme, Dieu va transformer ta honte et tes difficultés en joie. Au roi de dire,
L'homme de Dieu Élisée est-il réellement dans ce pays avant que de telles situations ne se présentent? Qu'est-ce que Élisée a à dire par rapport à cette situation? Le prophète Élisée est-il là? Si vraiment il est encore là avant que de telles situations ne se présentent, lui en tant que prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il a rapidement appelé les soldats. Allons chez Élisée. Mais la mauvaise idée que le roi aussi avait développée, c'est que il n'avait alors, il n'allait pas chez le prophète pour lui narrer la situation afin qu'ensemble ils puissent trouver une solution par rapport à ça. Mais il a débarqué, il allait chez le prophète et il se disait, dès que j'arrive chez lui maintenant même là, je vais le décapiter. Et c'est cette idée-là qu'il avait de mauvaise. Il a pris avec lui des soldats. Avec des épées, mais leur idée c'était de décapiter le prophète Élisée. Élisée aussi était dans sa chambre. Il avait aussi ses... Alors, pendant que les vieux étaient avec le prophète Élisée, Dieu a donc parlé au prophète que le roi de Samarie vient. Il ne vient pas dans une mauvaise, dans une bonne intention. Il vient pour te décapiter. Et rapidement, il a dit cela aux vieux et il leur a demandé de fermer la porte. Alors c'est une grande grâce. Pendant que toi tu serais là et quelqu'un serait en train de comploter quelque chose contre toi, et Dieu va te parler en te donnant des conseils. Fais telle chose, fais ceci, fais cela. Ça c'est une grande grâce. Tu serais au volant en allant. Et Dieu va te parler. Ils ont planifié telle chose contre toi. Tu serais à moto en allant. Ou tu serais quelque part dans ton service. Tu serais dans un vol ou dans un navire. Tu serais en communication avec le ciel. Non, place. S'ils tiennent des complots contre toi, Dieu va te l'annoncer. Ce type de grâce, bien que nous ne soyons pas prophètes, je demande à ce que Dieu nous donne ces grâces. Ceux qui reçoivent ces paroles, que cela s'accomplisse dans leur vie. Le mauvais complot, qu'ils élaborent contre toi, Dieu va te le révéler. Dieu va te le révéler. Dieu le révélera. Dieu le révélera. Je dis Dieu le révélera. Élisée était là. La raison pour laquelle Élisée n'avait plus parlé, il a gardé silence, c'est que le peuple avait carrément refusé d'obéir à la voix de Dieu. Quoi que les hommes de Dieu disaient, ils avaient carrément refusé d'obéir à cette voix. Voilà pourquoi Élisée aussi a dit, si tel est le cas, nous allons tous garder silence pour voir ce que Dieu lui-même fera. Et le roi n'a pas demandé à ce qu'on aille l'appeler Élisée. Élisée, il y a quelque chose qui se passe dans le milieu.
voilà telle et telle situation qui se présente actuellement dans le milieu. Qu'est-ce que toi tu as à dire par rapport à ça? Alors implore Dieu s'il te plaît. Mais on est mal. Il ne l'a pas fait ainsi, le roi. Si Élisée est effectivement dans cette localité avant que de telles situations ne se présentent, j'irai le décapiter. Et je me pose la question à savoir, qu'est-ce que Élisée a fait de mal? Élisée n'a rien fait de mal. Oh, amen. Amen. Voix. Mais. Dieu est allé parler au prophète de fermer la porte. You tout voit. Et la porte a été fermée. Oh, Jesus. Cobra shata la baya. Yobé. Et il dit. Fiale gogo votre. Elle gogo afenyeme. Le roi s'approche de ma maison. Allez à sa rencontre maintenant même. Et allez dire au roi que le prophète lui demande de retourner à la maison. Que demain à pareil moment, il y aura la nourriture en abondance en Israël. La famine à cause de laquelle les gens ont mangé la chair de leur enfant, cette famine passera. Et le messager est allé à la rencontre du roi pour lui annoncer ce message. Ainsi parle l'Éternel. L'homme de Dieu m'envoie te dire. Demain, à pareil moment, il y aura de la nourriture en abondance en Israël. Le roi qui était en colère a reçu donc ce message. L'attaché direct du roi qui l'assistait lui dit qu'il ne croit pas du tout en ce message. Roi, toi tu crois en cette prophétie-là? Que demain à pareil moment il y aura de la nourriture en abondance ici? La nourriture là, ça viendra d'où? Ça viendra d'où pour arriver ici? Et il dit, même si on ouvrait une fenêtre au ciel pour que la nourriture coule par là même, il ne croira jamais en cela. C'est cette personne-là qui ne croit jamais à la parole de Dieu. Les miracles de Dieu sont toujours éloignés de ces personnes. Et le message a été livré à Élisée. Lorsqu'on a fait le retour à Élisée, eh bien, nous sommes ici que nous avons dit. Il dit, parce que toi tu viens de dire ceci, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Les chrétiens, c'est ceux-là qui croient au miracle de Dieu. Il est le Dieu qui peut accomplir brusquement des miracles. Quelqu'un serait ici et va toujours refuser de répondre. Amen. Je dis, les chrétiens sont ceux-là qui croient au miracle de Dieu. Et ils ont la conviction que Dieu peut accomplir brusquement un miracle. Et il le fera encore ce soir. S'il l'avait fait, et nous avons les témoignages, toi aussi ton témoignage sera plus grand que celui des autres. Amen. Qu'un élu, qu'une personne bénie dise amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du miracle instantané, quelqu'un serait auprès de Dieu. Et la personne ira dans un camp de prière. Alors, aïma ou pas, mais bon. Où la personne ira vers un homme de Dieu. Bon, agano, douter nous, kounou si que ou les gars, il est temps. Avoir toujours du doute sur le miracle qu'il va recevoir. Ma canadio. Il ne va en aucun cas croire en ce miracle-là. Hein? Nous kounou pata. Un miracle instantané. Et il est salé blanc. C'est de ce miracle-là que parlait Élisée. Maou, mec blanc, allez cueillir. Et ça, nous doudou la bois,
Dieu n'a pas décrit la circonstance de l'abondance de cette nourriture-là à Élisée. Mais c'est Dieu qui a parlé. Partout où les voies sont fermées dans ta vie, une voie s'ouvrira brusquement dans ta vie. Une voie du bonheur. La voie de ta bénédiction. Tu recevras brusquement ta guérison. Lorsqu'on parle d'enfant, Dieu te donnera brusquement d'enfant. Dans ta maison, tu es le mendiant de la maison. Une bénédiction inattendue viendra. Tu as été riche, ce qui veut dire que tu as eu à compter des millions. Mais aujourd'hui, c'est toi qui tends encore la main aux gens. Mais je prie, Dieu te bénira encore plus qu'auparavant. Partout où tu te trouves dans ce monde, que le bonheur te parvienne, que la paix te parvienne, que le bonheur te parvienne, ton histoire changera brusquement. Cela s'accomplit ainsi dans la vie de quelqu'un. Amen. Qu'un élu dise Amen. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Dotom. Écoute-moi. Oh, Jesus. Karabashabaya. Rokoto bayanda. Mi dotom. Écoutez, s'il vous plaît. Bible à Benade. La Bible déclare. Le bleman keke maoumea. Que jadis. Lorsque quelqu'un souffre de la lèpre en Israël, la personne est mise en quarantaine. Lorsqu'on commence par voir les symptômes de la lèpre sur le corps de quelqu'un, on enlève la personne du milieu et on le met très éloigné de la localité. Et il y a eu certaines personnes qui souffraient encore de la lèpre. Ils ont été mis en quarantaine. Et ils étaient à l'entrée de la ville. Ils ont abandonné leur épouse et leurs enfants. Et ces personnes, c'était ainsi fini pour eux. Selon la loi d'Israël, ils ne vont plus vivre en société jusqu'au jour de leur mort. Et eux aussi, ils avaient faim. Ils ont dit, nous allons traverser la frontière pour aller sur le territoire des Syriens. Sur le territoire des Syriens. Et ils ont entamé leur voyage. Et l'un d'entre eux a dit, si nous allons là-bas, ils vont nous tuer. À l'autre de dire, nous sommes déjà sur le point de mourir parce que bientôt nous allons mourir à cause de la famine, là où nous sommes. Et c'est là qu'ils ont entrepris le voyage. Oh, alléluia. Amen. Ils ont traversé la frontière. Les Syriens se préparaient à livrer une guerre aux enfants d'Israël. Et la bataille, elle sera vraiment rude parce que c'est en ce moment-là que les enfants d'Israël avaient faim.
Et parce qu'ils avaient faim et ils n'ont plus trouvé de nourriture à manger, ils seront certainement faibles. Et lorsque l'ennemi les attaque, ils seront vaincus. Voir. Mais ces personnes-là, bien que Dieu était en train de les châtier, il leur témoignait encore un amour particulier. Alors, lorsque tu commets le péché et Dieu te châtie, sache qu'il continue toujours par t'aimer. La Bible nous dit, Dieu a transformé la marche de ses lépreux. Ces quatre lépreux, leur marche, Dieu l'avait transformé en lépreux. Et lorsque ces lépreux marchaient, là où les Syriens avaient emmagasiné leur nourriture, afin de pouvoir livrer la guerre aux enfants d'Israël, pendant que les Syriens se préparaient pour livrer la guerre aux enfants d'Israël, lorsque les quatre lépreux ont quitté et avaient traversé donc la frontière, Dieu avait transformé leur marche en bruit de char. Et lorsque le général et toute son équipe avaient entendu ces bruits de char, ils se sont réveillés, ils se sont dit, « Ah, vraiment, les enfants d'Israël sont déjà à quelques pas de nous. Qu'allons-nous faire ? Il ne nous reste qu'à fuir. » Et rapidement, ils ont quitté les lieux, ils ont commencé par fuir. Quatre lépreux seulement. Avec les quatre lépreux, cette équipe de soldats a été repoussée. Et ils couraient à vive allure. Parce que pendant qu'ils avançaient, il y avait des bruits sur le sol. C'est ce Dieu-là que je sais. Celui qui a utilisé juste quatre lépreux pour chasser des milliers d'ennemis. Quiconque te persécute, sois rassuré que Dieu les chassera devant toi. Tes ennemis qui tiennent des complots contre toi, pendant que les choses se compliquent dans ta vie, c'est en ce moment-là qu'ils tiennent encore des réunions contre toi. Alors, Dieu, celui qui a repoussé les ennemis d'Israël avec la marche de quatre personnes, l'Éternel le fera aussi dans ta vie. Dieu le fera aussi dans ta vie. L'Éternel le fera aussi dans ta vie. Ces paroles que tu reçois, qu'elles s'accomplissent dans ta vie ce soir. Si tu es un saint, si tu es une personne bénie, réponds fortement Amen. Mais de coucou noyé, asseyez-vous s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oh, amen. Amen. Zivelia mebe amen. Amen. Zietonia mebe amen. Amen. Nanecho. Quelque chose a lieu. Oh Jesus. Karabashan de le bébé. Non si joignez. Ce qui s'est passé, c'est que. Alléluia. Amen.
Bible la Bible affirme que ce qui a lieu en ces temps-là, pendant que les Syriens ont fui la zone, les quatre lépreux étaient arrivés, ils ont découvert du sémoule qui était là. Les combifs qui étaient là. Les sardines, des cartons de sardines qui étaient là. Il y avait des sacs de riz qui étaient là. Du lait en quantité. Les aliments Alléluia. Amen. Lorsqu'ils étaient arrivés là-bas, il y avait des aliments, des nourritures vitamineuses, des soldats qui étaient là. Ils en ont mangé, ils en ont bu suffisamment. Et ils ont pris maintenant les chaussures et les vêtements qui étaient là, qu'ils ont portés. Et à l'un de dire à l'autre, n'allons-nous pas retourner chez nous pour annoncer cette nouvelle au roi? Notre peuple est là-bas et souffre dans la famine. À l'autre de dire, si nous allons là-bas, ils vont nous chasser. Et quelqu'un d'entre eux de dire, nous allons aller. Et c'est là qu'ils sont retournés au bercail. Lorsqu'ils sont arrivés, oh, macha. Après, mais on va de quoi? Ils étaient arrivés à la maison. La Bible nous dit. Ils étaient arrivés au portail du roi. Et les soldats de leur demander que se passe-t-il. Et ils ont narré ce qui s'est passé. Et cela a été annoncé au roi. Et le roi a demandé à ce qu'on les conduise pour qu'ils puissent aller voir là où se trouvait la nourriture et les breuvages. Alléluia. Amen. Élisée a prophétisé et la même nuit cet événement a lieu. Et les lépreux qui ont été chassés et qui allaient rester hors de la ville, et ils ont été transportés par les chevaux du roi. Et lorsque les quatre lépreux étaient arrivés chez le roi, après avoir parlé au roi, le roi a demandé qu'il soit accompagné par des soldats. Et les chevaux du roi, c'était ces chevaux-là qui les avaient pris. Et les gens, dans leur étonnement, étaient en train de les regarder. Et ils étaient accompagnés par les soldats qui gardaient la maison du roi. Et ils sont allés donc montrer là où se trouvait la nourriture. Et effectivement, il y avait de la nourriture en quantité. Et à cause de ces quatre lépreux, il y a eu une abondance de nourriture en Israël. Et à cause de toi, il y aura également une abondance dans ta famille. Amen. Qu'un élu dise Amen. Amen. Qu'un béni dise Amen. Toi qui n'es en aucun cas considéré, lorsque la puissance de Dieu va descendre sur toi,
C'est toi qui deviendras la personne la plus honorée. Quatre lépreux. La puissance de Dieu avait transformé leur marche. Et leur marche avait repoussé leur ennemi. Que cette puissance de Dieu vienne sur toi. Ils ont ramassé de la nourriture et sont revenus avec. La Bible nous dit qu'il y a eu une abondance de nourriture en Israël. En vérité, ils ont distribué la nourriture dans les quartiers. Et l'attaché direct du roi, il était devant. Et il avait carrément oublié ce qu'il avait dit. Et les gens disaient, c'est dit, on va passer. Ah, plutôt c'est lui-même qui disait, c'est moi le chef ici. Voici comment la distribution va se passer. Et Dieu s'est rappelé de la prophétie. Tout ce qu'il était en train de dire, le peuple ne l'écoutait plus comme autorité. Ils ont avancé sur lui. Ils l'ont poussé au sol afin d'aller prendre de la nourriture devant. Et les gens le piétinaient. La foule marchait sur lui au point où il était essoufflé et il a fini par succomber au sol. Parce qu'il a contesté la prophétie de Dieu. C'est de la même manière que les incrédules meurent dans leurs souffrances, dans leurs difficultés. Ceux-là qui n'ont pas la foi. Ceux-là qui ne croient pas en Dieu. C'est ainsi que ces personnes meurent dans leurs souffrances. Mais ceux-là qui savent que Dieu est capable et il peut encore le faire maintenant. Même si les gens disent que rien ne peut encore changer, toi tu diras dans la foi, ça peut encore changer. Mais quand le dit, je te rassure que maintenant même, si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Oh, amen. Amen. On a distribué. On a distribué de la nourriture, les enfants d'Israël ont mangé. La population de Samarie avait mangé en quantité et à satiété. Ils se sont rappelés que l'homme de Dieu a dit, demain, à pareil moment, il y aura de la nourriture en abondance. Et cela s'est accompli. La parole s'est accomplie. Nous allons prier. Le roi a dit, femme, ah, si l'Éternel ne te sauve pas, moi je ne pourrai pas te sauver. La maladie dont tu souffres maintenant même, si l'Éternel ne te sauve pas, plus personne ne pourra te sauver. Maintenant même, nous allons prier. Oh, tu t'en as gobé, Yehoah. Lève-toi et déclare éternel. Je viens de comprendre quelque chose ce soir. Ce que je traverse, si toi l'Éternel tu ne me sauves pas, plus personne ne pourra me sauver. Pour cela éternel, sauve-moi maintenant même. Que tout le monde prie. Que traverses-tu? S'il te plaît, prie avec autorité. Prie maintenant même. Avec autorité et dynamisme. Prie maintenant. Avec autorité. Maintenant même. Alors, le roi dit, si l'Éternel ne te sauve pas, qui
qui te sauvera encore? Yehovah Kola Honam. Seul l'Éternel peut te sauver. Baba Yehovah Honam. Alors déclare, Éternel, sauve-moi. Yemau Honam. Mon Dieu, sauve-moi. Masha Kabaraba. Kabrayanda. Kabaraba Baba. Karabayando. Kotorobo Shekabrayanda. Katambayande. Mazubra Katakabra. Lotara Katarabaya. Komborobo Shatabra. Kabaraba. Kambaraba Sukabraya. Le mama mara ba shaka, bandoro bo shaka braka, oboro bo sekotoro bo bo, kotoro bo sonda ba 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 shata, le ketere bebe bebe, suba ba 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 sekotoro bo bo, mara kata kabara ba 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 ba, kata kabara ba yanda, agba si agba. Ton fardeau, toute ta difficulté, nous mettons tous à nous mettons toute ta épreuve, nous pensions paix, toute ta honte, bon, nous mettons tout. La difficulté spirituelle, l'Éternel te donne la victoire. Mandorobo Shabra, Rakataraba Yandaka, le Yesu Penkome, au nom de Jésus. Mandekukumigbo, Amen. S'il vous plaît, dites Amen. Mais de coucou non. S'il te plaît. Père, je t'en supplie, pardonne-moi mes péchés. Et sauve-moi. Que tout le monde prie pour supplier Dieu une minute. De coucou non, papa, nous vont t'amener ton mère. Dis-lui, Père, si c'est à cause de mes péchés que je traverse de telles difficultés. Chokem. Pardonne-les-moi. Kabrayandaka. Bakata la bayanda. Amagbetoye menye ne nyejida daota. Amag. Miewo nouveau sogbo. Nous avions tellement péché contre toi. Le miakazoni o hame. Dans nos démarches. Miambe nyaseseo. Dans nos écoutes, dans l'ouïe. Miewo avondeme. Miewo na avondeme. Nous faisons du péché à travers nos écoutes. Yehowa chokem. Éternel, pardonne-les-moi. Me regarde. Mon ouïe. Mes désirs et pensées. Mes pensées. Éternel Dieu. Mes désirs. Mes pensées. Mes démarches. Mes va-et-vient. Mes propos, Yehovah, continue. Éternel, sanctifie-moi. Que le sang me purifie. Le chinam. Purifie-moi. Wamyeye. Renouvelle-moi. Le Yesu Penkome. Au nom de Jésus-Christ. Mibon, amen. Dites Amen. Mais de coucou, Mibon, Amen. Mibon, Amen. Répondez Amen. Zéphiria, Mibon, Amen. Encore une fois, Amen. Veuillez vous lever. À présent, oh, Alléluia. Amen. Et répète, Éternel. Je sais que tu aimes ma vie. La façon dont tu as aimé Israël et Israël n'a pas péri entre les mains de leur ennemi. En ces moments difficiles, de même tu m'aimes aussi. Et ce que je traverse, spirituellement comme physiquement, Éternel, moi aussi, je ne périrai pas dedans. Pour cela, combat pour moi. Arrache mes bonheurs des mains de mes ennemis.
La façon dont tu as fait du bien à Israël. Et tu as arraché les biens de leur ennemi que tu leur as donné. Éternel. Maintenant c'est mon tour. Marababa ya katata. Marababa kataya. Machekete kebrayanda. Marabayanda ka. Kambarababa baba baba. Reçois ton droit et mérite. Reçois ta bénédiction de la main de tes ennemis. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Marakatakaba. Randa kataya. Makotoroboya. Bakabarabayana. Mashabrakataka. Lorobozanda babarabaya. Le Yesu penkame. Au nom de Jésus. Midotom. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous priez, mais je voudrais que vous soyez beaucoup plus fervent dans la prière que ça. Soyons plus fervents dans la prière. Longtemps tu traverses des difficultés. Tu n'arrives pas à recouvrer le sens de ta vie. Mais Dieu s'est levé cette nuit pour te sauver. Et si Dieu doit sauver quelqu'un cette nuit, que tu sois cette personne-là. Alors humblement, je voudrais que tu accentues ta prière. Une minute. Lève ta voix et déclare éternel. Tu as donné une bénédiction brusque à Israël. Et tu peux aussi le faire dans ma vie. Le Jojo le Toyadia. Après mon départ de ce camp, les portes qui sont fermées contre moi, que j'ai la prospérité à tous égards, et nous que tout change. Nous sommes trop. Que tout change. Nous sommes trop. Que tout change. Marabakatakabaya. Rakarabayana. Marokotokoboyana. Loroboyanda kataya. Masubrakatakabaya. Rakabayandaka. Et nous sommes trop. Et nous sommes trop. Que les choses changent. Et nous sommes trop. Que les choses changent. Et nous sommes trop. Que les choses changent. Bon, mais quand tu la mets. Spirituellement comme physiquement. Et nous on est trop. Que les choses changent. Marabakataka. Rakobarabayana. Kambarabayande. Rokambarana. Mansobrakataka. Akababarabababarababa. Akababarabayana. Kobrayanda. Lombara bayanda, Bakababara bayando, Lobra katarababara baya, Barabaraba sondele beberebe, Barabaraba sondele beberebea, Irianda labaso kabara bayanda. Bakabara baya. Bakabarabaya. Bakabarabayanda. Bakabarabayanda. Irianda lababo. Bakabarabaya. Ikata lababarababo. Rakabarabayanda. Iria katala baborianda, rakababara basundele bebe,
Iria kabayanda la babo. Bakabarabayanda. Barakata kabarababo. Barakata kabarababo. Rakabarabayanda. Cabranda la baboriande. Le Yesu pankame. Au nom de Jésus. Mette koukou mi blanc. Amen. Dites amen. Ziveria kemiak blanc. Amen la. Une deuxième fois, amen. Alléluia. Amen. Mi galia do berake. Nous allons encore prier. Oh, alléluia. Amen. Ekpono koyo nya. Alors, les lépreux qui ont été chassés. C'est finalement eux qui ont apporté le bonheur en Israël. Tu vas dire, Éternel, moi qui suis rejeté par le monde, la gloire qui se repose sur l'homme, Yehova ne va digne. Éternel, que cette gloire vienne sur moi. L'honneur et la considération dont on en est digne. C'est cet honneur que tu déposeras sur ma vie. Éternel, que ta jalousie le fasse. Priez maintenant. Dans votre famille. Dans votre localité, parmi les enfants de ta mère, parmi les enfants de ton père, c'est toi la dernière personne que Dieu te restaure. Le Yesu Pankame. Au nom de Jésus. Migba, amen. Dites amen. Encore une dernière forte prière. Mounia Israël Futo. Dieu a chassé les ennemis d'Israël à travers quatre personnes seulement. Répète avec moi, Éternel. Les méchants de tout genre qui se lèvent contre ma vie, contre mon épouse et mes enfants, contre le travail que je fais, m'empêchant de jouir de ma vie. La façon dont tu as chassé les Syriens, Éternel, chasse mes ennemis. Chasse mes ennemis. Les méchants de tout genre qui souhaitent ma mort. Qui souhaite ma mort. Mon rabaissement, ma honte. Toutes ces personnes qui se lèvent contre ma vie. À travers le monde entier. Ma vie, la vie de mon épouse et de mes enfants. Yehovah. Éternel. Donne-moi mes vodios. Chasse les méchants. 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 Adjeto de siade. Les sorciers de tout genre. Adjeto de siade. Les sorciers de tout genre. Amebada de siade. Toute personne perverse. Amebodi de siade. Tout méchant confondu. Yehovah. Éternel. Blabayo, Jehovah.
Répète, Éternel. Baba Yehova. Répète, Éternel. Baba Yehova. Répète, Éternel. Baba Yehova. Répète, Éternel. Ame vodi de siade. Les méchants de toujours qui se lèvent contre ma vie. Fifi là. Maintenant même. Yehova now. Éternel, combat pour moi. Wava. Combat. Wava. Combat. Maraba ba 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 ba. 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 Rakata yaka Rakotomba yandaka Maraba ba 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 Rakata Maraba ba 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 Sabrakata rababu Jehovah Jehovah Éternel, Jehovah, Éternel, Jehovah, Éternel, Jehovah, Éternel, Jehovah, Éternel, âme vendue des siades, les méchants de tout genre, Jehovah, Wafa, Éternel combat, Wafa, combat, Wafa, combat, Wafa, combat, Wafa, combat, Wafa, combat. Wapa! Combat! Wapa! Combat! Fifi la wapa! Combat maintenant même! Donc, coco wapa! Saint-Esprit combat! Marra baba baba! Raba baba baba! Marra baba baba! Raba baba 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 baba! Le Yesu pen kame! Au nom de Jésus! Mirotom! Écoutez-moi s'il vous plaît! Nemenye mau yeva ona Israël! Si ce n'était pas Dieu lui-même qui avait sauvé Israël, ce serait qu'au temps de la famine, leur ennemi allait donc les attaquer et ils seront tous éliminés par leur ennemi. En ce moment, où tu traverses encore des difficultés, tout ce que l'ennemi veut pour toi, c'est ta mort. Répète, tous les méchants qui souhaitent ma mort. La mort de mon épouse et de mes enfants. Tous ceux qui souhaitent la perte de mon travail, la chute de mon travail. Éternel, affronte-les. Affronte-les. Quiconque souhaite ma mort, spirituellement comme physiquement. Jehovah. Éternel. Ameyobewadim. Ceux qui veulent que je sois enterré, que la mort soit leur partage, que ce soit spirituellement ou physiquement, Jehovah Zebotel, Éternel des armées, combat. Thank you.
Au nom de Jésus, amen. Que tous les élus disent amen. S'il vous plaît, placez les mains là où vous avez mal. Le Jésus Christ open comme. Au nom de Jésus Christ. Je demande la guérison. Toute maladie confondue. Répète éternel. C'est toi qui guéris toute maladie confondue. Tu as guéri la matinée, les gens ont rendu témoignage. Et ce soir, tu vas encore guérir. Que les maladies obéissent à Jésus. Qu'elles plient bagage maintenant. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Tago me vovo. La sinusite. Jésus ne yodo. Jésus te guérit. Adoudou amé. Mal à dents. Jésus yodo mana. Jésus te guérit de cette maladie. Nane miode o tago me. Une tumeur dans ton crâne. Nkouvi bedo. Les mots Dieu. Bon nous le Jésus pen comme. Recouvre la vue au nom de Jésus. Echo. Les mots de cou. Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Ta gorge. Echio. Ton cœur. Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Abdomenu oblé. Les organes de ton ventre sont atteints. Yesu yodoma. Jésus te guérit de ces maladies. Anlio. Ta hanche. Aïkuo. Tes reins. Yesu yodoma. Jésus te guérit de ces maladies. Wo, ta colonne vertébrale. Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Akpa de katutu. L'hémiplégie. Bribo la fauve. La paraplégie. Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Lame hojo. Bouffée de chaleur. Abiko lame. Infection dans le corps. Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Bojo lemchume. Impuissance masculine. Echibegble. Azo oligospermie. Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Adomenu oble. Les organes de ton ventre sont putréfiés. Le ciel te donne de nouveaux organes. Stérilité masculine. L'hernie sous toutes ses formes. Tu pisses avec des traces de sang. Yes, yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Je prie maintenant. La paraplégie. Maladie dans tes os, dans tes nerfs, dans tes muscles, dans ton sang, coco, l'hémorroïde. Yes, yodoma. Jésus te guérit de ces maladies. Le yes, pen kame. Au nom de Jésus. Mi hodoyoyo. Recevez la guérison. Mi hodoyoyo. Recevez mi la guérison. Hodoyoyo. Recevez mi la hodoyoyo. Guérison. Recevez la guérison. Ajigbodo. L'épilepsie. Yes, yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Cancer. Le cancer. Hépatite. Les hépatites. Diabète. Le diabète. Sida. Le sida. Tension. La tension artérielle. Dans le moment meilleur, on ne faut pas vivre là. Tout
Toutes ces maladies que je viens de citer, qu'elles plient bagage maintenant. Recevez la guérison. La paraplégie. L'hémiplégie. Jésus te guérit de cette maladie. L'hernie dont tu souffres. L'insuffisance rénale. Jésus te guérit de cette maladie. La paraplégie. Jésus te guérit de cette maladie. L'hémiplégie. Jésus te guérit de cette maladie. Tu pisses avec des traces de sang. La gonocorsie. La chaude pisse. Jésus te guérit de cette maladie. Tu as des bouffées de chaleur dans tes pieds. Bouffées de chaleur dans tout ton corps. Infection dans tout ton corps. Tu as utilisé des antibiotiques en vain. On t'a dit que tu es toujours anémié. Jésus te guérit de toutes ces maladies. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Que la longévité soit votre partage. Que la bénédiction soit votre partage. Que l'évolution soit votre partage. La prospérité soit votre partage. Yesu pencome. Au nom de Jésus. Mais donc berade miata. Je prie pour vous. Miameyo le doufin. Vous qui êtes endetté. Miameyo baja ogble. Vous qui avez vos commerces en faillite. Vous qui avez vos ateliers et entreprises en faillite. Vous qui avez vos commerces en faillite. Yesu dujinami. Jésus vous donne la victoire. Yesu dujinami. Jésus vous donne la victoire. Toi, tu es persécuté par les démons. Il y a certains sorciers dans votre famille. Ils sont déterminés à te tuer. Ils ont menti. Sors de leurs mains. Maintenant même. Une forte bataille est en cours. Sors de leurs mains. Sors de leurs mains. Au nom de Jésus. Bataille en cours. Bataille en cours. Bataille en cours. Fifila. Maintenant même. La réunion des sorciers. Leur réunion sont dispersées. Leur réunion sont dispersées. Leur réunion sont dispersées. Leur réunion sont dispersées. Toi-même, ta femme et tes enfants, vous les vaincrez. Ces sorciers ont fermé plusieurs portes contre toi. Jésus les ouvre devant toi. Toute personne ici présente, recevez votre victoire. Recevez votre guérison. Jusqu'au déficient en manteau, des miracles s'accomplissent dans leur vie. Au nom de Jésus, recevez vos bénédictions. Yaira, la bénédiction. Hotowa, reçois ta la part de demain. En matière d'agriculture. En matière d'élevage, en matière de commerce, vous qui avez appris une activité manuelle, après votre départ de ce lieu, que vous soyez encombré par des clients,
et que des apprentis viennent s'inscrire pour l'apprentissage. Je prie maintenant. Vous qui avez des diplômes et qui avez soumis vos dossiers pour le travail, mais vous chômez toujours. Allez-y travailler. Tous les élèves et étudiants, que cette année vous soit une année de réussite. Ceux qui préparent leur voyage sur l'étranger, que les opportunités se présentent pour vous. Au nom de Jésus, soyez prospères à tous égards. Soyez prospères à tous égards. Soyez prospères à tous égards. Je demande la paix au monde. Je confie tous les chefs d'État. Cela que Dieu a aimé. Il leur a confié les nations. Eux-mêmes, leurs épouses et leurs enfants. Je prie maintenant, je confie tous les ministres. Tous les sénateurs, les gouverneurs, les ambassadeurs, les maires, les préfets, tous les soldats confondus, les rois et chefs traditionnels, je les confie à Dieu. Je prie maintenant pour le monde entier. Éternel, ta grâce apporte la victoire. Je prie maintenant que la honte retourne à l'ennemi lui-même. Dans votre vie, ayez toujours et toujours la victoire. Tous les soldats en mission, que l'Éternel leur donne la victoire. Eux-mêmes, leurs épouses et leurs enfants. Je prie maintenant nos frères et sœurs qui sont à l'étranger et qui cherchent leur titre de séjour, qui cherchent du travail, qui veulent se marier, qui cherchent d'enfants. Toute personne qui traverse une situation spirituelle, tu es à l'étranger mais tu n'as aucune réalisation au pays, tu ne fais que traîner la misère. Éternel, viens donner la victoire à ces personnes. Merci Seigneur, parce que tu as vaincu. Amen. Amen. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Une minute, je voudrais qu'on fasse cette prière avant de recevoir les témoignages. Mais pour nous, pour ce matin, nous avions prié contre l'envie. Et je voudrais qu'on le fasse encore. Je l'ai dit, l'origine de la souffrance de certaines personnes est liée à l'envie. Quand à chaque fois je réitère cette requête, sache que Dieu prépare la victoire de quelqu'un. Parce que l'origine de tes difficultés, c'est l'envie. Tu n'as offensé personne. Tu n'as offensé personne. Parfois, lorsque tu observes correctement les choses, tu te rends compte que ceux à qui tu as fait du bien, c'est ces personnes-là même qui sont en train de t'envier encore. Et je l'ai dit, Caïn et Abel étaient des frères de sang. Et Abel n'avait pas offensé son frère. Les deux avaient juste fait un sacrifice à Dieu. Dieu n'a pas reçu le sacrifice de Caïn parce qu'il n'a pas donné ce qui est bon à Dieu. Et il a reçu le sacrifice de son frère. Et c'est ce qui a suscité donc la colère de Caïn. Et Caïn s'est levé.
Il a commencé par adopter des stratégies pour pouvoir tuer son frère Abel. Lorsque je dis, lorsque ton cœur est ouvert, et toi tu as un cœur de libéralité en toi, et quelqu'un a un cœur méchant contre toi, que Dieu écrase les envieux qui sont contre toi. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi le Saint-Esprit réitère encore cette requête. Il me dit qu'il voudrait encore donner la victoire à quelqu'un. À cause du bien que la personne ait fait à Dieu, à cause de cela, il est mort. Lève-toi et déclare, Éternel. Je ne connais pas les envieux. Pour cela, tout méchant confondu, qui m'envie, Éternel, affronte-les. Écrase l'esprit d'envie et affronte les envieux. Écrase l'esprit d'envie et affronte les envieux. Écrase l'esprit d'envie et affronte les envieux. Mau jibe ya dujina mede le nyaya me yena nyagbodi agbaleto yena maul potok baledeto. Dieu voudrait donner la victoire à quelqu'un en cette requête de prière. Voilà la raison pour laquelle je continue toujours par réitérer cette requête. Amesia meike la gome. Quiconque le wododo dagbe onti gbogbo me yo nti la me yo ejio le fa aya do susu bada de tame. Quiconque élabore de méchants complots contre toi, pendant que toi tu as un cœur ouvert, lui il a un méchant cœur contre toi. Que Dieu affronte les envieux. Dogbeda. Prie maintenant. Parabayanda. Lobranda kabarabayande. Parabazonda babarabaya. Lobra kabaranda kata kabaya. Ikabarabara baborianda baika. Sobranda rababarabayanda ka. Barakatambara baborianda. Le Yesu pen komi. Au nom de Jésus. Mede koukou minoyi. Assoyez-vous s'il vous plaît. Et jidoudou. La victoire en cette requête de prière contre l'envie s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Que tu sois à la maison et tu me suis en ce moment, elle est peut-être dans ton véhicule ou dans ton bureau quelque part. Elle est camp, elle est mission, elle est douta. Dans un camp militaire quelque part, tu es en mission à l'étranger. Tu es dans un vol ou dans un navire quelque part et tu me suis en ce moment. Et l'origine de tes souffrances, c'est l'envie. Je te rassure que tu as obtenu la victoire cette nuit. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, disons Amen. Alléluia. Amen. Gameata. À cause du temps, Migawodo, Ameton et Koto. Il nous reste encore trois choses à faire. Dase Didi. Le témoignage. Eye Miawoyo Yona Louvo. Appel aux âmes. Adakpena Yehua Mao. Après cela, nous allons remercier l'Éternel Dieu. Tane la fille à Tokuku de Ganeme. Ye, me pot. Allo, ma mi dogue la fille à Mao Yodoa. Na dudu ki upo ameyo ki ga hodo yo le wetro ya fikelevo kengbeneva dudu ki upo ne kpo be yesu yodo la
na college mi akpo amesia meke seleto do fi ke leve wa akpo s'il te plaît akpo da bo parler c'est dans l'ale ben comme no kpo be ho do ya ntu go me alonyo nu go me amichite mi ava mi zon va partout où tu avais mal avant de venir nous venons de prier. Si tu as constaté que tu as reçu ta guérison, que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes, s'il te plaît, lève-toi et viens. Vous qui venez de recevoir votre guérison, venez s'il vous plaît. Vous qui venez de recevoir la guérison, amen. Vous qui venez de recevoir la guérison, lorsque nous venons de prier, ceux-là qui ont reçu leur guérison, oh, amen. 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 Le papa remercie donc le Seigneur cette nuit. Il dit qu'il était allé au village, il a fait 2 semaines environ au village, avant de revenir dans sa ferme à Begrovi. Et lorsqu'il est revenu, au lendemain, il a fait un rêve qu'il allait quelque part et il a constaté qu'on avait tué 3 pintades. Et au milieu de ces pintades-là se trouvait un serpent noir. Lorsqu'il allait vers les pintades qui ont été tuées, il a constaté que le serpent noir est venu le mordre au talon. Et lorsque le serpent l'a en même temps mordu, il a constaté que le venin du serpent a monté jusqu'au niveau de sa cuisse et est encore descendu au niveau de sa cheville. Et depuis le rêve, il a commencé par avoir les douleurs. Et lorsqu'il s'est réveillé en même temps, il avait aussi les douleurs aux pieds et il a même constaté que l'endroit où il a été mordu par le serpent, cet endroit-là était enflé. C'est là qu'il a dit à sa femme que non, avec ce qui se passe, il doit venir donc au camp de prière. Et il est venu ici. Et tout de suite, lorsque nous étions en train de prier, il a constaté qu'il y avait une chaleur qui sortait donc de son pied. Il y avait une chaleur qui sortait et jusqu'à la fin de la prière, les douleurs qu'il avait dans le pied avant de venir, les douleurs ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement libéré de sa maladie. Acclame très fort Jésus pour la vie du papa. Amen. Fais-le plus fort. Amen. Amen. Maman, que Yesu wana ofifio. Yesu yodona. Dolele kele nti okengba ovao. Tokaka 2019 fe imovu. Radio me se papa ma predication ko monona bo. Kwa nchure la fe mo be ma chinwa. Ye mo gbe koko sagbe dotana. E da volo so to mona da volo fia na. E ma le anuna. O le se ma unya la fe me. Ye Nsudeva nyinado lengti la me amuni dure me yode. Bena nsuchaa. Le khoha ya home milia. Ye betuno ba chi radio wa. Ko gbe pa sagbedo. Ye eta eda vole. Eda vole zodome ku de fina. Eda vole zodome ku. Fi. Akpa de kanon. Gbe wan gbe zere kaye eda vole funa no alo e ba vo après. Hello. Eda to vo vo kaka ba vo. Ye ko da le vo kaka ba na fi. Ye nuke ba le walking bo ba ba fi fi. Abi ma va toi dia.
Amen. Amen. Fifi Jia, que Maou y a donné voir, abe y a pas de défi abe. Après sa guérison, elle dit qu'elle voyait dans une révélation. Qu'au moment où nous étions en train de prier à ce que le Seigneur ouvre les portes qui sont fermées devant nous, Alors, la maman tient donc à remercier le Seigneur ce soir. Elle dit que depuis 2019, elle avait capté la radio et elle suivait l'émission de l'homme de Dieu. Lorsqu'un monsieur qui habitait la même maison qu'elle avait demandé d'éteindre la radio, et elle a refusé. Et après cela, le monsieur a prononcé en même temps des incantations à son endroit. Et juste le même jour, elle a commencé par sentir des lésions au niveau de sa tête et quelque temps plus tard, elle a perdu des cheveux sur son front et d'un côté de son oreille. Et depuis ce moment-là, elle ressentait aussi des bruits de tonnerre dans sa tête et ressentait également qu'il y avait quelque chose qui était sur elle et surtout au niveau de sa tête. Durant toutes ces années, elle a traîné le mal avant de venir ici. Et ce soir, lorsque nous étions en train de prier, elle a constaté que c'est comme si on est venu enlever quelque chose de son épaule jusqu'au niveau de sa tête. Et la chose a été enlevée de son corps. Et juste après cela, les malaises et les bruits de tonnerre qu'elle avait dans sa tête, ces malaises ont totalement disparu. Elle se sent complètement libérée de sa maladie. Le mal qu'elle a traîné depuis 2019 jusqu'à présent, ce soir, le Seigneur l'en a complètement libérée. En dehors de cela, elle dit, lorsque nous étions en train de prier et l'homme de Dieu disait que les portes fermées s'ouvrent, elle a constaté qu'il y a eu 3 militaires qui étaient descendus avec des armes et les militaires ont forcé d'abord un premier portail noir qui était fermé. Ils ont forcé le portail, ils l'ont ouvert. Il y avait un second portail rouge, ils l'ont aussi forcé et l'ont ouvert. Et troisièmement, il y avait aussi un petit portail qu'ils ont aussi forcé et ils l'ont ouvert. Et à l'intérieur, il y avait la canne qui était la plupart des temps utilisée par des chefs et rois. Et après cette canne-là, elle a vu également une couronne qui était remplie d'étoiles. Et les étoiles qui étaient dans la couronne étaient en train de sortir de l'enclos, de sortir de cette couronne-là.
Et à l'homme de Dieu d'ajouter que nos étoiles que l'ennemi avait volées, nos étoiles qui se trouvent dans le camp de l'ennemi, chacun a repris son étoile ce soir. Amen. Amen. Maman, ma de coucou va. Nkeye ma wonao. Dasi mi kura wale no. Ngiwe ma ta kwe na ma. Dolele kele nti o ken gba o va. Mo ho jakatu le ya fo ya. O ho chakachu. O ho chakachu. Pewi aton ya. Yo yo da chakachu wa. Fike o so bojidi enonye plomdo. Fike o so va fie o. Mle anu ho ye bo a. Ane ho so va fie. Uncle ngebe bi eku le lo me mi so ikara e bona so e mu tofi eh la mbede etuke mo le king ba fi eh fike o le ba fi eh fifi ade o da o chakachu pe wi aton ya ye over de le mi e poto be over de le me le ko we kaka de oh mi bo ko po eh fike o yi o de be dora e mi yi va. Yes, we be no le ja on de na ma on de a de to lele ke. E o ja ho da se di obo ye ja ma ma ton le we troya. Alon di kanya me. Mu di kanya a we troya. Fifi gen ke mi dogbe da de ma ma nke ma wo na o. Ye mi di be ma mo ye mi santi be egbe be chakatu ke no a egbe ya. Chakatu ko da wa. Ke mi dogbe da vo a enu a vo na o. E pe wi a tombe do a. Yesu yo do. You be yadi da selo. Amen. 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 La maman dit qu'il y a pratiquement 15 ans, elle a été victime de la foudre à canon, un sort qu'elle a reçu au niveau de son genou. Et depuis les 15 ans, elle traînait encore le mal et les douleurs surtout. Entre-temps, elle était allée quelque part où on a prié avec elle et elle s'est sentie soulagée par rapport à ces douleurs-là. Mais les douleurs étaient toujours là. Et lorsqu'elle est venue dans la matinée ou ce soir, lorsqu'on voulait recevoir les témoignages, on a parlé juste de 5 témoignages, elle était assise et elle avait encore les douleurs au niveau de son genou. Lorsque nous avons commencé par prier, l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie. Elle a placé la main sur son genou. Et jusqu'à la fin de la prière, elle a constaté que les douleurs qu'elle avait dans son genou avant de venir, cette douleur qu'elle a traînée durant 15 ans, le Seigneur l'a complètement libérée et elle se sent totalement guérie de sa maladie. Acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Oh, amen. Amen. Mais de coucou, nous qui est maouana ou maman. Maouana, nous gagnons. Dans lesquels l'entier au Kingbao va. Afo. Pour nous poser s'aider. Afo, elle est vime. Afo, l'entier, voilà nos pénés, nous allons le tiner. Et on va vider. Voilà, pour nous poser s'aider. Et la tête sous. Et puis vénéné. Et puis amé vénéné. Ok. Il y a. Où il conduit. Nous qui est donc qui est au blanc. Nous antiques vont pas d'ailleurs. Ok. Que y est, on va faire fier mille deux bras ou trois. Le coup au caca n'y avait pas d'ailleurs. Que de camé, au les deux bras. Founoua a fait que les vema. Et va être toi, baba, les veuves cesser. Baba, les veuves sont sans. Eh, caca au deux bras, pourquoi? Bébé, c'est ça. Bien avant ça, un coup de béné, à mes deux abunambé, au les dila ou manim le coup. Et au deux abunam, à partir de ce moment. Coudre bas, mais les doigts brûlent la lame. Abouyao donne au poyer à Fouato Vévé. Bewa ou. Bole dit là où même les coups. Om les coups. Taïolado, abouyé non quoi. Au sort de sort de la mena ou moi. Bah, on l'a non dans l'air, mais caca la coup. On est très à Yesu du Gina. Fika au sauva. Lomé. Ok. Alors, la maman dit tout a commencé il y a pratiquement 2 ans. Et ça a commencé par un cauchemar.
dans lequel elle voyait que quelqu'un était venu lui faire une piqûre. Et la personne lui disait, on cherche à te tuer, comme tu ne meurs toujours pas là, on va te tuer par cette injection-là. Et lorsqu'elle a reçu cette injection-là, depuis son rêve, elle s'est réveillée et elle a en même temps commencé par avoir les douleurs au niveau de son pied. Et durant 2 ans, elle a traîné les douleurs. Elle est bien sûr allée à l'hôpital, on lui a fait des soins, mais toujours les douleurs étaient là avant qu'elle ne vienne ici. Mais dans la prière, lorsque l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie, elle aussi, elle a placé la main sur son pied. Et jusqu'à la fin de la prière, elle a constaté que les douleurs qu'elle traînait dans le pied durant 2 ans, les douleurs ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement libérée. Acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Amen. 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 Alors, le frère dit depuis pratiquement depuis quelques heures, nous allons dire quelques heures bien sûr, parce qu'il ne souffrait pas du mal avant de venir dans le camp. Mais ce soir, il a constaté qu'il avait les maux de tête et les douleurs s'amplifiaient tellement avant qu'il n'arrive dans le temple ici. Et lors de la prière, lorsque l'homme de Dieu a demandé à ce que les malades placent les mains là où ils ont mal, lui aussi, il a placé la main sur sa tête. Et dans la prière, il a constaté que quelque chose est sorti de sa tête ou comme si on avait enlevé quelque chose de sa tête. Et juste après cela, les douleurs ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement libéré et il tient donc à partager son témoignage avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Mia fofoa menye be doga so do kondi yo voye be ye doga be ya so onubu bo a ye ye son va jedon ye va zanga keken de yisomti bo a enwa meye efe anva chintile ye beba le doga da be ma une nane ya tufea ma ula kbedenti ola tufea. Amen. 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 Ike memile ya praise the Lord. Alleluia. Va. Alleluia. Amen. Oh, papa va. Et doye la vara dokita ye ba awo do la tout faire. Elle a bena amoué la je do wa so dokita gbo. Fifia ame si ame le do gbera be ma une yo do ye vi. Mo ne yo do ye nto cha ya no se se de. Dokita cha le do gbera be do ne ba nai. Oh, hallelujah. Fifia, hallelujah. Amen. Ne Ejrono me kwa me de kuku me dina dase ya tegbe be amerecha la filia ele dogbe da be na maune nane asa chike pharmacie be ya sa chike amerecha le dogbe da be so chike ni so chike ye no ta chike peuple voa ne kamone ye dueji amerecha le dogbe da be yesu na ne masanula amede gbereka e sana adaka ba be ye ngba vale sadaka. Ye beva gbonye bena yebe madugbere na be ye esom edoson li ye bada kasapya na mbe mjesi ebe yin gbale sanu vo sake yin potro jimo amidotom sake yin potro jimane ye ya ye puna de na dakao bene one ne ya sanu vo fifia ye batro jime ye beleke ya wo ne ya sanu yin buta me kaka kaka.
Praise the Lord. Yembe Yesu. Yesu. Papa de siade, mama de siade. Ko sivo. Ye. Gamesu yo le ya yoa. No yoa. Na mo jila pradaka no site kaka. Ame agbokpo lava. Praise the Lord. Ah, amesi amele jibe yasanu de. Adaka to chambe wa do gbere na yasanu. Va amela kuwe basanu. Na meko mau do game na be yayo, yo be pesia. Ne o le jibe wa plenu la mere gba eye gba wa yi. Va meko pe game nposun wa. E vo ne te frire wa o me. Amen. Hallelujah. Papa dokita ye na ngbade nu agome na mi vide mi akoba mesi amele jibe ye be done yin ko nye gbe dodora yin ba mesi ametone yin ko voa to ye ho abe moji to mo nyue toji. Amen. Amen. Tout le monde veut la prospérité de son travail. Voilà l'infirmier qui doit à une microfinance et c'est les malades qu'il doit soigner d'abord avant de pouvoir gagner de l'argent. Nous sommes en train de prier ici pour la guérison, pour que quelqu'un ne tombe plus malade. Le pharmacien aussi est là, il veut que les gens tombent malades pour venir acheter des médicaments chez lui. Vous voyez comment la chose est un peu compliquée. Entre-temps, je me souviens bien qu'un monsieur était venu chez moi, il est un menuisier, il me dit qu'au moment où il était encore dans le monde, il fabrique les cercueils. Et lorsqu'il fabrique un cercueil, il fait des libations à ce cercueil-là pour que les gens viennent acheter le cercueil. Maintenant, il est converti. Il a encore des cercueils là-bas et personne ne vient demander d'après ces cercueils-là. Il est venu chez l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu prie pour lui afin que lui aussi, il ait la vente pour que les clients viennent acheter le cercueil. Au même moment, l'homme de Dieu est en train de prier contre la mort. Et longtemps, il a réfléchi, il a dit, « Ah, Père, les vieux et vieilles, qui ont l'âge très avancé. Si l'un d'entre eux meurt, Seigneur, envoie ces personnes afin qu'ils viennent acheter le cercueil chez ce monsieur-là. » C'est comme ça l'homme de Dieu a procédé donc sagement à cette prière. Donc, autrement dit, nous sommes dans un ministère un peu complexe, mais de toute façon, le Seigneur pourvoira à nos besoins, il pourvoira à nos difficultés. Amen. Amen. Mi de kuku mi magba kho abe dada de la fille foforo cha la fille agame anti mi anote sia e poza gawo mi de japa zade ya mi chide ko mi apa papa mi de kuku fika oso. Vous venez d'où s'il vous plaît? Benin. Benin. Vous venez du Benin. Docteur Wana. Bon, j'ai travaillé à la cimenterie. Ah. OK. Ah, okay. Vous allez en français. OK. Je suis en retraite. Vous êtes? Je suis en retraite, j'ai travaillé à la cimenterie. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez comme problème, comme maladie avant de venir ici? Le mal que j'ai, c'est que quand je suis allé à l'hôpital, après les malaises, l'analyse a révélé que j'ai contracté l'hépatite. Cette hépatite-là, maintenant, ses conséquences sont sorties. Les conséquences sont sorties telles que le docteur m'a dit début de cancer, début de cirrhose. Début de cancer. Début de cirrhose. Donc, il m'a pris en compte. Je suis en train de faire le traitement. Quand j'ai parcouru les chaînes là. Oui, vous avez appris de ce camp de prière. J'ai vu JS. JS TV, oui. Donc, j'ai dit si c'est ça, j'irai là-bas. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis préparé. Et vous êtes arrivé ici. Et avec mon garçon, on est venu. Voilà. Et lors de la prière maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté avant de sortir? Quand je suis venu, avant de venir d'ailleurs, j'ai fait 3-4 jours sans chier. Donc, arrivé ici, ça a continué pendant une journée et demie. Mais avant-hier, j'ai chié toute la journée. Amen. Maintenant, depuis hier maintenant, je n'ai plus chié. Et le problème que ce mal m'a donné, c'est que je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas d'appétit. Je mange difficilement. Donc ça... Le témoignage que vous voulez rendre, c'est le témoignage par rapport à cette Oui. Je peux ne pas être guérison, mais c'est dans tout le même chemin. OK. OK, allez-y. Donc, ce que vous avez vu ce soir. Bon. Donc ce soir, je n'ai pas encore chié. Ça, c'est sûr. Maintenant, oui. Ce matin, quand je me suis lavé,
et pour préparer la venue à la messe. Oui, oui. Avec mon garçon. Oui. Donc, je lui ai dit d'aller me chercher la bouillie. Quand il est allé chercher la bouillie, je me suis tendu et j'ai, sur le lit, et j'ai dormi. Voilà. Maintenant, quand je dormais, j'ai vu l'homme de Dieu. Il est en tenue marron clair. Oui. Il est rentré, manche longue. Quand il est rentré, il avait quelque chose, il a laissé. Et on s'est salué. Quand on s'est salué, il n'a plus rien dit. Et il m'a fait dos comme ça. Et il s'est agenouillé. Et il a prié. Quand il a prié, j'ai dit que j'ai envie de lui parler. Il a dit non, que ça va, qu'il est parti. Oui. Il est parti. Maintenant, j'ai commencé par reprendre mon sommeil. Et un oiseau est venu. Il est rentré et commencé par voler. Oui. Donc, je l'ai attrapé. Et j'ai vu que l'oiseau là, il est barboté de sang. Et une de ses pattes est coupée. Une de ses pattes est coupée. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez vu dans l'oreille? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout ça que je voulais dire à l'homme de Dieu. Oui. Ah, d'accord. Ok. Amen. Amen. Bien, faut foi be icho beneva. Eva va me be yedjedo. Emeke yedjedo. Il est conduit au dodo. On a ya. On a ya be cancer. Bakble hepatite. Be gomme djedjeye wonye. Eye on a atike on a ya. Ebe dolele ava webe. Ye me gate yina nougodo. Abe ale yu oje ene. Eye yiva osusu. Yiva non. Echa jim le chen oji parabe. Mon pa me kaya tenkpone wakbere yemti le bedodo rame ma. Et le télé a dit quoi, il va dire, geste TVG, quoi, il va aussi soubena no aléa, il y a du vague de rapé à la fille, et il y a te pétoa, il drado quoi, il va de rapé à, et bien, tu sais, il va, un keke de ka, il va popore au quoi, ma ouve et nous, il va y nous godo nuere, et il y a une da série de ban ton aïe, ta y jibe ya dak bede, a menuve a imaou, ou na y la, un ti, et to vovo na ya, il gava mloani echo ndome e no dre kumbe maupa me avaye gbole home eye maupa me va jekure gbole home no gbe dumda le ehwame e meke ofon e be ne dogbe naye wa maupa me abe ao be nu ile vevia eya e wema kwa otole ye gbojo eye va yejia e dre de oku kwa ojibe ya gbele kokoko ne maupa me wase egbe maupa me asibo e wame gaka a me susu ya o. Amen. Amen. Revi ke yo boa, revi boa, aze revie. Voa ke ma weye o ten le. O le asi o pe dia ifi obe o ja doji. Amen. Gbogbo ke yo dodo da beneba igbe okokoko e gan bena ke o va fi ya o gba pe odo. O jibe yo wa gbe okokoko a Yesu la doji now. Amen. Alors l'oiseau que vous avez vu dans votre rêve, l'oiseau noir que vous avez vu là, c'est un envoyé des sorciers. Mais puisque vous l'avez attrapé dans le rêve, ça veut dire que vous l'avez déjà vaincu. Ces sorciers-là ne vont plus vous vaincre. Voilà, ça veut dire que vous avez vaincu les sorciers qui sont contre vous. Contre papa, votre guérison surtout. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour ce monsieur. Le cancer qui lui a été diagnostiqué, les hépatites qui lui ont été diagnostiquées, que ce mal disparaisse au nom de Jésus et qu'il reçoive sa totale guérison. Les organes atteints par le cancer et l'hépatite, que ces organes-là soient renouvelés maintenant. Que le ciel te change de nouveaux organes. Et tu vas retourner à l'hôpital. Le médecin qui t'avait fait les analyses va refaire les analyses et verra que le résultat est négatif par rapport à ces maladies. Les sorciers qui persécutent ce monsieur et voudraient bien qu'il meure de façon prématurée dès le début de sa retraite, nous chassons ces sorciers de sa vie. Que la victoire soit son partage. Amen.
Amen. Papa, mi de kuku venu ani. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Anoni preto yon milia. A omi mi la fia. Kimbe alléluia re. Mba alléluia. Amen. Me kawo yira les ayame. Qui sont ceux qui sont bénis cette nuit? Praise the Lord. Alléluia. No yirawa mi akwe la kpe dada me mi gada kpe na mau aye me gbe a me yo me kpo ho Yesu wa mi ana wa ho Yesu mi de kuku ke ye enu oji pola wa no so agban be wa da kpe na mau wa ngba ya don ku gbe fan de de ya jibere egben keke nyi ke gbona lekea ye le janye mi apeto Yesu Kristo be ku aye nkeke wo ke le java la nyi Yesu Kristo be chitre chichi bazan ke la nyi consider gbe ye mi abe nyonyo Bedura ga ke mi ona retisia retia ela jegome brada gbe ke gbona edogore pakinu de kemba menene po amen amen anyo be mi ano reveil me kaka mi aba wenu consider gbe pe pak aye le pak le to ya dia amen amen e vivinanto e to ya dibe ista na eduya eduna pak over na edu to ya ditoa. C'est vraiment intéressant de fêter la Pâque ici dans ce camp. Le dimanche. Amen. Amen. Mais de nouveau, considère ma gamme, katami le djijo, poge, et yemia a djiha, a fond yesu, et yemegonabena, lenkeke won patamea, et hadekbekbe jona jinam, gake de kaye melona, et chitre, alléluia, nous c'est toi, chitre, alléluia, doyola, chitre, alléluia. Kunuma wa chitre alleluia mbe yesu kristo e chitre ho e chitre magaku e kufika u lusele ho e chitre alleluia amen amen. 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 Ayata me wo yoyo na mi amio kata le dotum fifi la le kike go ne ame. Aye ala tin nyobe o la ple bie. Aje mo consider gbe, alo brada gbe. Alo consider be de domain. Oduna pak vo eto ya jito e vivinanto. Amen. Eto ya jito vivinanto. Amen. Praise the Lord. Amen. Ta maune ira obe réveil que memia no so brala gbela o chana po gomele me. Mia so du installe to ya ji. Wa de gomele français gbe ma egbe gbe mi kata mia ay de akpe dada ji. Le réveil qui va commencer le mardi prochain sera également combiné avec la période ou la fête de la Pâque. Nous allons tous ensemble ressusciter le Seigneur Jésus-Christ le dimanche matin ici dans le camp. C'est vrai, tu as l'habitude de célébrer la Pâque partout ailleurs dans ton église, mais la Pâque ici, dans ce camp, nous la célébrons de façon spéciale. Et le mot de passe le dimanche, c'est le blanc, tout blanc. Tu peux porter tout blanc ou ne serait-ce que le haut, tu dois forcément porter le blanc. Et le dimanche matin, nous allons avec les mouchoirs blancs célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ici dans le camp. Jésus est la solution. Alors, partout où tu te trouves en ce moment et tu nous suis, même si tu es à l'étranger, dans un quelconque pays de l'Afrique, tu peux rapidement acheter ton billet, faire ton déplacement pour venir célébrer la Pâque avec nous ici dans le camp de prière. Jésus est la solution. Oh, amen. Amen. Tami de kuku a messi a menetso bakpe davansa nou ko pobe ela tin jodi nou le dope ke mau nou noa na tsonu nana ya aye mi akata mi adakpe na mau. Afi yo katami le nemi gbe cho hakwa na chite aye nanodue
Alors partout où tu te trouves, ne prends pas ton don pour venir le jeter simplement dans le tronc et repartir t'asseoir. Non, mais danse avant de venir mettre ton don dans le tronc. Et après cela, reste là où tu es et danse correctement jusqu'à la fin des remerciements. Bobuana, mawale vi le di bobo. Bobuana. Ma wale vile ki ibu Bubu wana se bubu Wana Bubu wana Bubu wana Bubu wana bubu wana Ma wale vile ki ibu Bubu wana Ma wale Amen. Répond amen. Alléluia. Amen. Kema mille yatrode akpabu. Nous allons donc évoluer avec une autre partie. Akpai mi yatrode nyebe mi yawoyo yona mi yojati bo so wa pak bena Yesu. Nous allons faire appel à ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus. Yatane la fi me po tro jimo me po ho Yesu wa. Alors enya menu veve bena na va fi na ba cho agbo na Yesu mi de kuku ne la moto me mega onpon. Si tu es ici et tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur,
Voici le moment pour toi de venir donner ta vie à Jésus. Mitsu miyazovanko, mitsu miyazovanko. Levez-vous et venez devant. Miame oke mekpo tro jimo, ame ekplova, wonto eva, ele donogboya, agbare ne sova, ekpondodo, mekpo pondodo, jimeto tro wa hia, wo de de popo hia, sowu nukunu sineleji. Eye menye nye numovie wana nukunu, Yesu, ye wana nukunu, chite, tokuku de demena vaho Yesua. Alors, que tu sois le garde des malades ou c'est toi-même qui es arrivé, tu aspires à un miracle, ce n'est pas moi qui opère le miracle, mais c'est Jésus qui le fait. Voilà pourquoi je t'invite à venir donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte de venir, n'attends pas que les gens viennent avant toi. Il est question de ton salut. Le salut est personnel. Alors, si tu es homme, positionne-toi du côté des hommes. Et si tu es femme, positionne-toi du côté des femmes. Venez, venez, s'il vous plaît, venez recevoir Jésus. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Levez vos deux mains comme ceci. Et vous allez tous répéter après moi ce que je vais dire. Dites, je crois que Jésus Christ, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est mort pour moi. Et au troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, je me confie à lui que je vais l'adorer tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Baissez maintenant vos mains, fermez vos yeux, je vais prier pour vous. Père, je te confie ces nouveaux convertis. Ils ont promis te servir. Donne-leur la victoire. Les péchés qu'ils ont eu à commettre depuis leur enfance, pardonne-les ces péchés. Et reçois-les parmi tes enfants. Guéris-les dans le nom de Jésus. Papa, yodo. Père, guéris-les. Père céleste, guéris-les. Seigneur Jésus, guéris-les. Je chasse le conseil. Je plie bagage au conseil. Que cette femme reçoive sa guérison. Et tous les fardeaux qu'ils ont apportés. Papa, doujinao. Père, donne-leur la victoire. Amen. Amen. Jésus vous donne la victoire. Regardez-moi s'il vous plaît. Si vous êtes ici au Togo,
demandez d'après les annexes Jésus est la solution dans vos différentes régions. Jésus est la solution là. Alors s'il y a l'annexe Jésus est la solution dans la localité où vous êtes, vous pouvez la fréquenter. Au cas contraire, choisissez une bonne église qui prie comme nous le faisons ici avant de continuer par venir chez nous dans le camp. Alors si vous êtes dans un pays de l'Afrique ou dans un pays de l'Occident, de l'Orient, lorsque vous allez retourner dans vos différents pays, choisissez une bonne église évangélique, fréquentez-la avant de continuer par venir. Allez vers ce côté, on va vous enregistrer. On va écrire vos noms. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, bénis-moi ceux qui t'acclament bien. Na Israël, ameko le puena wa wagbo nao irao nam ko leji du jinao nam. Seigneur, ceux qui t'acclament, bénis-les-moi, ouvre les portes devant eux, donne-leur la victoire. O magbasa lo sono talomea. Let's go!